Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 11e cours de l'école de formation insoumise, histoire et signification de la République en France. Que signifie aujourd'hui la République ? Ce concept dont chaque représentant politique peut se revendiquer, y compris ceux dont les références menacent le plus directement la dite République, cette valeur refuge vers laquelle chacun se tourne dans les temps de crise profonde, au point peut-être de lui ôter toute forme de dimension conflictuelle. Aujourd'hui, c'est semble-t-il la République elle-même qui se trouve dans l'œil du cyclone, avec le surgissement des Gilets jaunes sur la scène politique. Elle est au cœur de débats houleux et d'attentes contradictoires, avec d'un côté les Gilets jaunes qui accusent le gouvernement d'avoir renoncé à l'idéal républicain de liberté, égalité et fraternité, et de l'autre, un gouvernement accusant les Gilets jaunes de porter atteinte à l'ordre républicain et d'être même anti-républicain. Alors, l'idée républicaine, où se situe-t-elle entre les deux ? Est-elle du côté de l'ordre ? Est-elle du côté de la révolution ? Pour répondre à cette question brûlante, nous avons souhaité faire appel à Thomas Brantôme, avec qui nous allons opérer cette plongée dans l'histoire complexe de l'idée républicaine. Thomas Brantôme, vous êtes historien du droit, maître de conférences à l'Université Paris Descartes, auteur d'une histoire de la République en France des origines à la Ve République. Et vous avez aussi écrit une thèse qui s'intitule « La genèse des libertés sociales, le droit de s'associer face à l'impératif d'ordre ». On est donc au cœur de ces questions-là. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct avec le hashtag EFI11 et Thomas Brantôme essaiera d'y répondre à l'issue de son intervention. Voilà, Thomas, c'est à vous. Merci Manon Le Breton, bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être là en tant qu'universitaire. Il est vrai que j'aime parcourir les colloques et discuter avec mes collègues dans des mouvements dialectiques chargés, puisque l'université est bien vivante et bien vivifiante en France. Mais en effet, j'estime qu'avec des thématiques comme la République, il est bon également de discuter avec la société civile. Et donc j'interviens à la fois dans le cadre associatif, dans le cadre local, dans le cadre des quartiers, et aussi avec les partis politiques de l'ensemble du spectre de la classe politique, puisque la République, on va le voir, est censée être la chose de tous. Donc merci aujourd'hui à la France Insoumise de m'accueillir, de m'inviter pour discuter de ces choses, et merci à tous ceux qui sont devant leurs écrans. Alors nous allons commencer par cette question fondamentale qui est « qu'est-ce que la République ?» et commencer par le fait que nous vivons d'une certaine façon une période de confusion où les mots semblent avoir perdu de leur sens et où, avant toute chose, avant d'avoir un regard historique, il est bon de répondre à ces dimensions-là. Alors c'est vrai que quand je dis confusion, cela me fait penser finalement à une anecdote de l'historien Edgar Quinet qui disait au XIXe siècle, cette anecdote sous la Restauration où un père raconte que son fils lui dit un moment, alors que nous sommes en 1820, « Papa, c'est quoi la République ?» On pourrait commencer comme ça à se demander « qu'est-ce que la République ?» Pourquoi les choses sont difficiles pour nous à comprendre qu'est-ce que la République ? C'est que d'un côté, vous avez cette idée de ce que Pierre Nora disait dans les années 90, le sentiment d'une course à la République. Il n'y a pas un parti politique qui ne place pas le mot République dans son programme, voire dans ses sigles, dans sa grammaire. Et en ce sens, on ne peut plus distinguer, comme du temps de la Révolution ou du temps du 19e siècle, un camp véritablement conservateur qui s'assume parce qu'il est sous l'étiquette légitimiste ou orléaniste, et de l'autre côté, des républicains avec vraiment ce mot-là. Ça, c'est la première chose. Il y a véritablement cette course à la République et nous y reviendrons. La deuxième chose, c'est que pour beaucoup de personnes, on se pose la question de savoir est-ce que la République n'est pas un mot vide de sens. Un mot vide de sens pour plusieurs raisons. D'abord parce que la République n'aurait pas rempli ses promesses.
Il ne suffit pas de dire qu'il y a le triptyque liberté, égalité et fraternité. Encore faut-il se poser la question si, historiquement, les différentes républiques ont répondu à cette chose-là. Vide de sens, enfin, aussi, parce que, à force de l'entendre invoquer dans des discours, on se demande si, finalement, il n'a pas un simple caractère incantatoire. On dit « vive la République » pour s'enorgueillir de ce mot, mais finalement, les lendemains déchantent souvent. Alors, nous voyons même apparaître véritablement des gens qui voudraient se détourner de la République, qui disent que ce mot finalement est désuet, a disparu, ne mérite plus d'avoir une véritable vitalité. Et en même temps, tout en ayant comme ça cette perte, cet étiolement du mot, de l'autre côté, il y a ce qu'on a appelé, avec Charles Péguy, dans son livre « Notre jeunesse » en 1910, la mystique républicaine. Alors, Charles Péguy, il y allait très fort dans sa définition de la mystique républicaine, puisqu'il disait « la mystique républicaine, c'est lorsqu'on meurt pour la République ». Il va de soi que lorsque, face à mes classes, pour commencer sur la République, je dis « qui dans cette salle est prêt à mourir pour la République ?», je peux vous garantir que j'ai un silence religieux sur la question, silence pesant, silence en même temps amusé, puisque personne ne semble vouloir mourir pour la République. Je les rassure très vite, je demande à personne de mourir dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le même moment, très vite, je bascule en disant « qui est prêt à mourir pour sa famille ?». Et là, les gens sont évidemment des gens braves, des gens qui sont tournés sur l'amour des leurs, ils disent oui. Et alors, par un syllogisme philosophique, on peut à ce moment-là dire « eh ben, sachez que le grand Michelet, au XIXe siècle, disait « la République, c'est une grande famille ». Et donc, on comprend ainsi comment, entre la Révolution française et le XXe siècle, on a pu avoir cette mystique républicaine. Bernard Joly, qui a travaillé sur l'affaire Dreyfus, parlait même de spirituel républicain. Donc ça, peut-être, ce seront les questions à la fin du cours, pour poser cette question de la République qui est spéciale. Et je convoque des mots de Régis Debray dans un livre qui s'appelle « Que vive la République », sorti en 1989, au moment du bicentenaire de la Révolution. Et alors même que, dans un livre qu'on pourrait dire opposé, un livre écrit par Jacques Julliard, François Furet et Rosan Vallon, qui s'appelait « La République du Centre », et qui disait en substance « la République française a perdu sa spécificité, a perdu ses structurations, est en train, et je cite de mémoire, de rentrer dans le droit commun des démocraties, donc on abandonnait notre spécificité républicaine ». Régis Debray répond avec ce « que vive la République ?» le fait que, non, la République n'est pas un mot comme un autre, et il dit « c'est une foi, un idéal, un combat ». Donc, probablement que nous répondrons par l'intermédiaire de ce livre aux questions de Manon Le Breton, qui demandait tout à l'heure « est-ce qu'on est du côté de la Révolution ?» C'est déjà quelques pistes. Et pourquoi ces mots d'idéal, de foi, de mystique, qui peuvent effrayer, hein, je comprends à la lumière du XXe siècle, pourquoi ces termes ne semblent pas des vains mots ? Tout simplement parce que notre génération, les dernières années, notre génération a pu constater que dans les grands drames nationaux, comme dans les grandes joies, les grandes liesses, à chaque fois, il y a comme cette remontée de l'impensé républicain qui se manifeste. Dans les attentats tragiques de 2015, à la fois ceux de janvier et à la fois ceux de novembre, spontanément, à Paris, les gens se sont retrouvés où ? Sur la place de la République. Spontanément, les gens ont chanté la Marseillaise. Spontanément, ont émergé des drapeaux et on va essayer de comprendre pourquoi. On voit très bien que à ce moment-là, c'est ce commun qui est lié, c'est ce tissu que les symboles de la République permettent de faire entre les différents individus. Dans des événements plus heureux que ces tragédies, notamment les Coupes du Monde, on voit bien qu'à ce moment-là, la question républicaine, la question de ces symboles, en fait, rejaillissent aussi par éclat, puisque on voit fleurir partout, dans la jeunesse, mais aussi chez les moins jeunes, cette envie d'avoir un drapeau sur les épaules, cette envie d'avoir le drapeau porté à travers notamment le maillot des bleus, des tricolores, de l'équipe de France, et puis cette émotion particulière chantée par la Marseillaise qui a été réappropriée dernièrement
par l'équipe de France qui la chante tous à l'unisson. Alors, qu'est-ce que j'entends par tout ça et quelle est la raison pour laquelle j'ai accepté de venir aujourd'hui? C'est que je crois que pour parler de la République, pour en débattre, fût-on hostile à la République, à moitié convaincu, ce que je peux tout à fait entendre et comprendre. Moi-même, je n'ai pas grandi dans un univers républicain. C'est quelque chose qui a été construit progressivement. Encore faut-il savoir de quoi on parle, véritablement. Et je m'assigne comme mission, à travers ce livre que j'ai écrit pendant plusieurs années avec Jacques de Saint-Victor, de faire un travail de resignification de la République. Et vraiment de pouvoir permettre de poser un mot sur la table. C'est ce qu'on appelait en philosophie jadis voilà, la convention des mots, de leur sens. Et c'est la seule chose qui permet de véritablement discuter pour savoir exactement si nous sommes d'accord ou pas. Donc, ce travail, évidemment, de resignification, il passe par à la fois l'étymologie, l'histoire longue et l'histoire plus courte, celle de la France. Alors, je vais commencer par les origines. Les origines, elles sont anciennes, puisque les choses remontent à l'Antiquité, et notamment à la Grèce. Quand je dis la Grèce, je vais surtout me concentrer sur Athènes. Il va de soi que j'aurais pu parler également de Sparte, qui va être une référence très importante, mais c'est vraiment Athènes qui est le cœur de choses. Comme beaucoup devant l'écran le savent, autour du 5e siècle avant notre ère, on passe à un nouveau régime qui va être la démocratie, qui va être une parenthèse assez courte, qui va être contesté, qui va donner lieu justement à des ressacs politiques et la venue de tyrans. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans la philosophie pré-socratique, la philosophie même de Socrate lui-même, les grandes questions qui étaient posées étaient des questions qu'on dirait aujourd'hui d'ordre moral. Qu'est-ce que la morale? Qu'est-ce qu'être bon? Qu'est-ce qu'être juste? Qu'est-ce qu'être proche de la vérité? C'était essentiellement de cet ordre-là. Il faut attendre le disciple de Socrate, Platon, et le disciple de Platon, Aristote, pour véritablement basculer et transférer ces questions vers le politique. Alors évidemment, toute la question de la morale n'est pas abandonnée, et on va voir que, en termes de politique, la chose apparaît aussi. Alors qu'est-ce qu'il y a de très intéressant chez Platon et Aristote ? C'est une question que j'estime immortelle, peut-être question centrale de la philosophie politique, et que tout concitoyen doit se poser, c'est la question du meilleur des régimes. Quel est le meilleur des régimes ? Très vite, chez Platon et chez Aristote, la question est posée en se disant, au fond, il n'y a pas 10 000 possibilités. Soit le régime appartient à une personne, soit le régime appartient à plusieurs personnes, soit le régime appartient à tous. À un, c'est une monarchie. Monarchie vient de mono, qui veut dire seul, ça donnera aussi le mot moine, et de arcane, qui veut dire le pouvoir. Donc on le comprend bien, c'est le pouvoir d'un seul. Plusieurs, on va considérer que ce sera l'aristocratie. L'aristocratie, Crassie, là aussi, je le dis vite, vient de Kratos, qui veut dire aussi plutôt le pouvoir. Arcane est aussi appelé parfois commandement. Et Aristoi, c'est tout à fait intéressant, c'est le gouvernement des meilleurs. Quant à l'idée de tous, en ce sens, tout le monde aurait le pouvoir, ça serait la démocratie. La démocratie avec l'idée. Le mot, lui, est maintenant dans l'actualité donc plus connu, c'est le démos. Démos, c'est le peuple, et Kratos, donc, le pouvoir. Chez Aristote, le meilleur des régimes, c'est l'aristocratie. Parce que, et c'est assez logique, on pourrait tous faire le débat autour d'une table, au fond, si par essence, par étymologie, Aristote veut dire les meilleurs, alors on doit être dans l'idée que c'est le meilleur des régimes. La question que je pose, moi, évidemment, aujourd'hui, c'est comment déterminer les meilleurs.
Si on avait vraiment une espèce de juge transcendantal qui était capable de nous dire, voilà, il est le meilleur ministre de l'Agriculture parce que tous les tests possibles et inimaginables avaient été passés, je pense que tout le monde serait d'accord, disons, mettons le meilleur ministre de l'Agriculture au ministère de l'Agriculture. Mais peut-être que c'est un vœu pieux. Chez Platon, ça s'appelait le roi philosophe, mais ce n'est pas Platon qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Aristote. Aristote va rajouter quelque chose de très intéressant. Selon lui, tous ces régimes peuvent être corrompus. Tous ces régimes ont une forme obscure, altérée, négative, que tout le monde connaît au fond dans son inconscient. La monarchie peut devenir une tyrannie. L'aristocratie, et c'est très intéressant par rapport à la philosophie politique actuelle qui s'est réemparée de ce mot, devient une oligarchie. Et c'est là que la question est très intéressante, vous allez voir. Démocratie, on peut se poser la question de savoir si la démocratie n'est pas déjà une forme altérée, et certains parleront de l'oclocratie, c'est-à-dire le pouvoir des foules. Alors je vais expliquer, puisque c'est exactement le moment le plus important pour notre histoire républicaine. Qu'est-ce qui fait passer de l'un à l'autre? C'est une chose très intéressante que l'on doit retenir. Aristote a posé une question qui concerne chacun de nos citoyens et qu'on peut débattre là aussi à midi. Qu'est-ce que tous les hommes recherchent? Ceci, il va s'appuyer sur Socrate. Il va poser la question de savoir ce qu'au fond, vraiment, quel est l'horizon de tout humain. Il va voir des réponses, certains vont dire la richesse, certains vont dire les honneurs, certains vont dire la sagesse. Et en fait, il va dire tout cela, sagesse, honneur, richesse, ne sont en fait que les moyens de quelque chose qui est supérieur, qui est le bonheur. Donc, tout être, de façon universelle, où qu'il soit, cherche le bonheur. Ça, c'est la fin suprême, la fin de tous. Évidemment, il y a des différences de moyens, de façons d'y parvenir, et c'est là que se marque la différence entre les hommes. Mais globalement, tous veulent le bonheur. Il appelle ça le souverain bien. Or, c'est là que Aristote fait une fusion extrêmement intéressante. Il se dit que cette obligation de bonheur, cette recherche de bonheur qui est le souverain bien, doit passer nécessairement par la question politique. Pourquoi elle doit passer par la question politique? Parce que Aristote va faire une enquête anthropologique de grande qualité, qui est qu'il va voyager tout au long du pourtour méditerranéen et il va faire une constatation. Où qu'il soit, où qu'il visite, il y a toujours une constance chez les hommes. Les hommes semblent avoir besoin des autres. Tout commence par la plus petite cellule possible, qui est la cellule familiale. L'enfant reste avec ses parents, les parents restent avec les enfants. De cette cellule familiale microscopique, l'histoire semble avoir mis en place une deuxième étape, qui est un regroupement de familles qu'on appellera des tribus. Et ces tribus, étant dans une situation peut-être complexe de conflit sur la question de la propriété, sur la question des femmes, sur la question des guerres, ces tribus ont eu besoin du droit. Elles ont eu besoin du droit, et l'apparition du droit, c'est le moment où on va former des cités. C'est là donc qu'Aristote fait cette première grande découverte de la philosophie politique qui fait partie des phrases les plus connues, c'est que qu'est-ce que l'homme? Un animal politique. L'homme est un animal politique, la phrase est extrêmement connue, parfois un peu mal compris, on a l'impression que animal, ça nous renvoie un peu à la phrase de Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Non, ça ne veut pas dire ça. Il faut renvoyer à son étymologie grecque le zone politikon. Le zone politikon, en fait, pour bien l'expliquer, il faudrait une longue phrase. C'est pour ça qu'on préfère dire l'homme est un animal politique. Le zone politikon veut dire parmi l'ensemble des organismes vivants, végétaux, partie du cosmos, animaux, hommes, la spécificité de l'homme, c'est de devoir vivre avec l'autre.
D'accord ? Donc ça, je m'amuse à savoir qu'à chaque fois que je fais cette conférence, il y a quelqu'un qui va toujours me dire « Oui, mais les animaux aussi ont besoin de vivre entre eux, en meute, etc. » C'est toujours un grand débat. Je ne m'y connais pas assez, donc je me mettrai de l'autre côté de la salle quand quelqu'un viendra nous parler de la proportion des animaux à vivre ensemble. En ce qui nous concerne, voilà la découverte d'Aristote. Il faut vivre ensemble. Vivre ensemble, ça dit beaucoup de choses pour notre cours aujourd'hui. Ça dit que d'abord, il faut du droit, parce qu'il faut organiser les gens ensemble. Et deuxièmement, ça met en place ce qu'on appelle en philosophie l'holisme, c'est-à-dire le contraire de l'individualisme. Et au fond, on a là, je crois, notre première règle de la République. La première règle de la République, c'est l'homme est condamné à vivre ensemble, pour un peu parler en langage sartrien. Quoi que vous fassiez, où que vous soyez, nous devons vivre ensemble. Et ceci, donc, va complètement à contre-courant de l'idée dominante que, non, non, l'homme est un individu, individualiste un peu sauvage, hein, ce que Gilles Lipovitsky, dans L'ère du vide, en 1983, appelait cette caractérisation par l'individualisme narcissique. On a réussi à nous faire croire que c'était la nature de l'homme. Il n'y a pas une soirée où on n'aura pas quelqu'un autour de nous disant « Mais tu sais, l'homme est ainsi fait, il est individualiste, il pense à lui, il est égoïste. » En fait, c'est tout à fait contestable. C'est quelque chose apparu globalement autour du XVIe siècle. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc là, on avait une première histoire, une première approche anthropologique des choses qui est celle contraire. Ils doivent vivre avec l'autre. Deuxième chose qui est, à mon avis, un principe républicain fondateur, fondamental, qu'il faut rappeler, c'est que la maxime du républicain, ce n'est pas d'annihiler l'individu, ce n'est pas de faire disparaître ce que l'on est, puisqu'il y a la question du citoyen qui, donc, lui, va avoir une action politique, va avoir des revendications personnelles. La maxime du républicain, c'est d'intégrer autrui dans sa vie, dans son action, dans ses actes. C'est ça. Ce n'est pas annihiler l'individu, mais c'est essayer de trouver la juste articulation, le juste milieu entre l'individu et le collectif. Donc vous voyez, déjà, c'est tout de suite une première définition qui nous permet d'écarter deux choses. Un totalitarisme qui annihilerait totalement l'individu au nom du collectif, ça, c'est un premier précipice. De l'autre côté, un autre précipice qui serait l'individualisme total forcené qui entraîne une société atomisée où plus personne se parle. Est-ce que Pierre Leroux, l'inventeur du mot socialisme en France en 1830, appelait une société en poussière? La République, elle donne une réponse à ces deux ravins et elle dit « N'annihilons pas l'individu, mais créons-le dans le collectif ». Alors, je reviens à mon tableau. Si on suit le raisonnement d'Aristote, si l'homme est un animal politique, si l'homme a besoin de vivre en cité, la cité qui s'appelle la police, s'il a besoin de vivre en cité, alors il a besoin d'un régime politique. Et donc, il doit avoir particulièrement un bon régime politique. Or, cette cité, c'est elle qui va déterminer ce qui est un bon régime politique ou ce qui est un régime politique corrompu. Le bon régime, c'est celui qui s'occupe du bien commun. Voilà la première caractéristique d'un régime politique républicain. Le régime républicain s'occupe du bien commun. Mais c'est là où il y a une astuce que l'on connaît assez mal. C'est que dans ce sens aristotélicien, la monarchie peut être républicaine. Si un monarque agit pour le bien commun, alors il peut être une monarchie républicaine. Si vraiment on a une troupe d'aristocrates qui agissent pour le bien commun, alors on peut considérer qu'on a une aristocratie républicaine. Sauf qu'Aristote se dit, vu que je vous ai dit qu'il a beaucoup voyagé et beaucoup réfléchi sur l'âme humaine, il se dit qu'il y aurait une forme de paradoxe désagréable à penser que le bon régime doit agir pour le bien commun et qui ne prendrait pas en compte le souci de l'ensemble de la population. Et c'est ainsi que Aristote va considérer que le meilleur des régimes qui est collectif, qui appartient à tous, c'est un mélange, et ça c'est sa nouveauté, c'est lui qui apporte ça, un mélange de monarchie, d'aristocratie et de démocratie. Voilà ce que pense Aristote
le meilleur des régimes va emprunter, va prendre des éléments aux trois régimes. Et ce mot-là, ce régime-là, il va le nommer Politéia. Et la République est née. La Politéia, c'est la première République. C'est le premier concept républicain réel qui va marquer l'histoire occidentale, c'est-à-dire que le régime républicain, le meilleur, c'est celui-là, c'est celui qui sera un mix entre les trois. Vous verrez, évidemment, pourquoi va y avoir une spécificité propre à la France vis-à-vis de tout ça. Alors, cette pensée grecque si forte qui a posé la Politéia, elle va voyager et circuler jusqu'à l'autre bout de la Méditerranée, l'autre grande civilisation qui est la civilisation romaine. Nous passons donc à Rome et Rome va nous dire beaucoup, va d'une certaine façon rajouter un élément à cette histoire longue de la République. Vous le savez, Paul Venn, le grand historien, a sorti un livre qui s'appelle « L'Empire gréco-romain » pour nous montrer comme il y a une imbrication très grande entre les deux philosophies, les deux cultures, voire les langues parfois. Donc ce n'est pas du tout un hasard que la philosophie aristotélicienne vienne sur les rivages de l'Italie. Alors Rome a vu, contrairement à l'idée répandue qui se focalise uniquement sur ce qu'on appelle l'Empire, trois grandes périodes historiques. Une période qui commencerait en 753, qu'on appelle en latin le regnum. Le regnum, en latin, qui veut dire en fait la royauté. Certains se rappellent peut-être de leur cours de latin où le roi se dit rex. En 509, ce que l'on va appeler la période républicaine. Et en moins 27, ce que le grand public connaît sous le nom de l'Empire, mais que les spécialistes, mes collègues en histoire du droit romaine appellent le principat, qui vient du mot princeps, j'en dirai un mot tout à l'heure avec Auguste. Et puis, si vraiment on veut être très rigoureux, 284-294, on passe à la dernière partie, ça s'appelle le domina, c'est au moment de Dioclétien. Alors, qu'y a-t-il d'intéressant ? Moins 753, c'est la fondation légendaire de Rome. Tout le monde connaît ce beau mythe avec lequel on a grandi. Rémus et Romulus, fils du dieu de la guerre Mars et d'une vestale qui a fauté parce que coucher avec un dieu, c'est quand même pas la meilleure des choses. Donc, une fois qu'elle se fait surprendre en étant grosse de cette nuit d'amour avec Mars, elle est obligée d'abandonner ses deux enfants, ses chérubins, dans les collines. Et ces chérubins, qui normalement doivent être dévorés par les loups, finalement, en pleurant, attendrissent non pas un loup, mais une louve, qui les récupère, leur donne la tétée et les fait grandir. On apprenait ça, nous dit Cicéron, jusqu'au 1er siècle avant notre ère. Aujourd'hui, les anthropologues sont plutôt à nous dire que la fondation de Rome remonterait au 11e, au 12e siècle avant notre ère, autour d'une logique tribale où des gens se seraient progressivement sédentarisés, où on aurait eu des chefs de famille qui se seraient mis en place autour de noms de famille qu'on appelle les gentes, et les chefs de famille, on les aura appelés les patresses. Peut-être que le mot reviendra dans vos questions tout à l'heure, parce que patresse va fonder pour l'histoire romaine les patriciens, donc l'aristocratie, chef de famille et donc avec une vraie puissance. Mais aussi, ça va fonder autre chose qu'on posera peut-être dans les questions, ça va fonder le mot patrie, patresse, patrie. Et ces chefs de famille, les patresses, vont se choisir un roi. Un roi qui donc, évidemment, sera le chef des chefs. Ce roi, selon la légende, en fait, d'abord, il aurait été Romulus, et il y en aurait eu sept autres. Sept autres, c'est évidemment une légende, on est incapable de savoir combien il y en a eu, mais globalement, survient un moment, une dynastie qu'on va appeler les Tarquins. Et il y aura, c'est le quatrième roi,
Tarquin l'Ancien, et puis le septième roi, Tarquin le Superbe. Et Tarquin le Superbe, dans cette dynastie, se retrouve à être un homme avec les pleins pouvoirs. C'est donc littéralement un tyran, comme le dénonçait Platon ou Aristote. Et Tarquin, donc, a le droit de vie ou de mort sur les gens, monopolise l'ensemble des pouvoirs, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'imperium, il a à la fois le pouvoir militaire, à la fois le pouvoir civil, et même, ce qui est très important pour les Romains, le droit de prendre les auspices. Donc vous vous rappelez tous de ça, on prévoit l'avenir en regardant le vol des oiseaux et en ouvrant le ventre de certains animaux. Tant et si bien, et là on est vraiment dans la phrase de Montesquieu qui reviendra plus tard, que au bout d'un moment, le trop de pouvoir conduit à un abus de pouvoir, à un passage à la tyrannie. Et en 509, un événement va changer l'histoire de Rome, c'est que le fils de Tarquin le Superbe, qui s'appelle Sextus, on l'imagine véritablement comme le prince orgueilleux, insupportable, imbu de lui-même, décide de séduire la plus belle femme de l'aristocratie romaine, qui s'appelle Lucrèce. Le problème, c'est que, un, c'est une femme mariée, et deux, c'est la femme de son cousin. Pourtant, évidemment, imbu de son pouvoir et de sa personne, Sextus outrepasse tous ses droits et viole cette jeune fille. C'est le fameux viol de Lucrèce dont nous connaissons la représentation par les grands tableaux de l'histoire de la peinture. Et Lucrèce, à la fin de ce viol, fait venir son mari et le meilleur ami de ce mari, qui s'appelle Lucius Junius Brutus. Et Lucrèce, dans une scène magnifiée par plusieurs pièces de théâtre, fait jurer à son mari et Lucius Junius Brutus qu'ils la vengeront. Et une fois qu'elle a obtenu cette promesse, elle sort une dague et, dans un geste célèbre, se transperce le cœur, car elle ne supporte pas l'horreur qu'elle vient de vivre. De là, Lucius Junius Brutus soulève les patriciens et renverse les Tarquins. C'est la fin des Tarquins, c'est la fin du Regnum, c'est la fin de la tyrannie. Nous sommes en 509 et nous passons à la République, à un nouveau régime. Alors, une petite parenthèse qui est très intéressante, c'est ce Lucius Junius Brutus n'est pas le Brutus que vous connaissez, le fameux Brutus de César, de Tuquique Mifili. Mais en réalité, ils ont un lien, et là aussi, nous vivons souvent des périodes de grande inversion des valeurs. Moi, j'ai toujours considéré que Brutus était vraiment l'archétype du traître. Hein. On apprend ça à l'école. César est vraiment quelqu'un qu'on aime et il est tué par son fils. On verra tout à l'heure que les choses sont plus compliquées. Donc, retenons ce Brutus qui n'est pas le même, mais vous verrez, il y a un lien. Nous passons donc à la République. Et la République, elle a ceci de très intéressant. On voit qu'on n'a quasiment rien inventé dans la philosophie politique, elle a cette idée, cette obsession de ne jamais revenir à la tyrannie. Alors la République, elle va chercher des idées. Comment empêcher qu'on puisse virer à nouveau dans la tyrannie? D'abord, elle va considérer qu'il faut séparer les pouvoirs. Il faut séparer les pouvoirs et nous allons avoir des consuls, nous allons avoir un sénat, nous allons avoir les comices du peuple et nous allons avoir des magistrats. Deuxième élément, pour être sûr que la tyrannie ne revienne pas, donc séparation des pouvoirs, il va y avoir le principe de collégialité qui va être extrêmement important pour les républicains. Ce n'est pas un hasard que Montesquieu dira sa célèbre phrase « Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir ». La collégialité, par exemple, elle fait que les personnages les plus puissants de Rome sont les consuls. Mais les consuls sont deux. Donc ainsi, si un des consuls commence à avoir le sentiment d'hubris, le phénomène d'hubris, c'est-à-dire de démesure, il peut être arrêté par l'autre consul. La collégialité est donc très importante. Dernier point, l'annualité. L'annualité, c'est-à-dire qu'on est élu pour un an. Et ainsi, là, vraiment, avec la République, on travaille l'âme humaine. Avec l'annualité, on est véritablement dans cette idée qu'il faut empêcher les gens de s'habituer au pouvoir.
Parce que le pouvoir, finalement, lorsqu'il est là, devient quelque chose dont on en fait une seconde nature et qui produit justement des effets pervers. Donc là, c'est un an et pas plus. Enfin, dernière chose, et Rome est la patrie du droit, il serait donc impossible de considérer cette notion, la patrie du droit. L'idée républicaine romaine, c'est de considérer que tout le monde doit être soumis au droit. Voilà donc, je rajoute un élément constitutif de l'idée républicaine, après celui de dire nous devons vivre ensemble, deuxièmement, nous devons intégrer le collectif dans notre action individuelle. Le troisième, c'est il faut du droit, il faut du droit pour nous organiser, et il faut du droit qui est un principe d'égalité. Le cours aujourd'hui est un peu rapide, je ne peux pas tout dire, mais il y a des très beaux moments évolutifs à regarder dans l'histoire romaine. C'est que cette idée de droit va apparaître en fait comme hypocrite à partir du moment où les seuls qui vont contrôler ce droit dans un premier temps seront les patriciens et que l'autre groupe politique qu'on appelle les plébéiens vont se sentir exclus. J'aime beaucoup un des livres de Michel Imbert, qui est un des plus grands professeurs d'histoire du droit romain de notre siècle, qui dit au final, il est un peu provoque, mais je trouve l'analogie intéressante, il dit c'est une lutte des classes entre plébéiens et patriciens. Au fond, les plébéiens donc, vont vouloir aussi se combattre contre cette aristocratie. Ils vont faire une première grève de la guerre en 493 avant notre ère, et puis plus tard, une deuxième qui était encore plus connue, qui était en 451-450, où ils vont demander qu'ils aient un droit pour tous, un droit public, un droit connu. C'est un des moments fondateurs de l'histoire du droit, ça s'appelle la loi des 12 tables. Sur le forum, on va poser 12 lois, d'abord 10, puis 2, qui vont fonder littéralement à la fois le droit public et à la fois le droit privé. Et ainsi, on va rentrer dans une ère qui va durer à peu près 4 siècles, jusqu'au 1er siècle de la République, enfin 1er siècle avant notre ère, où là, on rentre dans ce qu'on appelle les crises de la République. Alors, je dis un mot très rapide sur les crises de la République, parce que ça ne nous concerne pas à proprement parler aujourd'hui, mais au final, Rome va mourir de ses propres contradictions, c'est-à-dire qu'en s'étendant, en devenant une nation où le mot n'existe pas, une civilisation hégémonique, elle vit et elle meurt par la guerre, et donc progressivement les généraux sont loin, éloignés, et donc perdent ce lien qu'ils avaient avec Rome. Montesquieu explique ça très bien dans les considérations de la grandeur et de la décadence romaine. Et progressivement, l'ambition saisit des généraux qui ne vont plus vraiment battre pour Rome, mais se battre pour leur propre personne. Ce sont des gens très connus comme Marius, Sylla, Pompée et surtout Jules César. Et Jules César, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que Jules César, au fond, est considéré par les républicains romains, par des gens comme Cicéron, comme un traître. Et c'est pourquoi, en fait, Brutus, qu'on a longtemps considéré comme un traître, le Brutus, en fait, de moins 44, se regarde dans la glace, du moins c'est la jolie interprétation de Shakespeare dans son Jules César, très bien mis en scène par Mankiewicz dans le Jules César avec Marlon Brando. Brutus se dit qu'au nom de son ancêtre, qui en fait a tué les Tarquins, il doit être fidèle à lui. Et voyant que César est en train de remettre en place la royauté, parce qu'il vient d'accepter le diadème qui était le symbole de la royauté, ça veut dire que la République se meurt. Et donc Brutus, loin d'être un parricide ingrat, est en fait quelqu'un qui croit défendre la République. On pourrait faire un long débat, mais la question est assez géniale parce que c'est vraiment le cas d'un homme qu'on a décrédibilisé alors qu'en fait il est probablement un héros de la République qui a voulu être fidèle par son nom à celui qu'on estimait son ancêtre, le fameux Lucius Junius Brutus. À partir de la mort de Jules César, je vais très vite, Jules César meurt en 44, une guerre civile s'en trouve, où on imaginait que son successeur serait Marc-Antoine, mais finalement le testament nomme Octave. Guerre civile qui prend fin d'abord en moins 31 avec la bataille d'Actium, où Octave l'emporte contre Marc-Antoine et la célèbre Cléopâtre. Et en moins 27, on passe à la troisième étape dont j'ai parlé, c'est-à-dire Auguste se fait remettre les pleins pouvoirs dans un stratagème où il dit au Sénat
J'en ai fini avec mes super pouvoirs, je redonne tous mes pouvoirs et nous rentrons en République. Je suis le champion de la République, le restaurateur de la République. Et finalement, le Sénat le rappelle 3 jours plus tard en disant « nous ne pouvons pas vivre sans toi ». Donc, nous te redonnons ces pleins pouvoirs. Mais il joue sur une ambiguïté, il y a une façade républicaine. Au lieu de s'appeler empereur, a fortiori au lieu de s'appeler Rex, qui serait terrible, il va prendre un nouveau titre qui s'appelle Princeps. Princeps qui veut dire en latin le premier des citoyens. Donc, il y a cette idée, on est toujours en République, mais je suis le premier des citoyens. Au final, on va appeler ça le Principat. Et la chose, progressivement, va évoluer vers un pouvoir personnel de plus en plus fort, où évidemment des Néron, des Caligula deviendront des véritables empereurs, des véritables personnes qui vont concentrer tous les pouvoirs. À noter, je mets ça dans un coin de notre cours du jour, que Octave, à ce moment-là, est rebaptisé Auguste, du latin augere, qui veut dire accroître, c'est très beau, ils lui disent « tu accrois la puissance de Rome ». Auguste est l'ancêtre, en réalité, à la fois de Bonaparte et à la fois du général de Gaulle, c'est-à-dire des hommes qui considèrent qu'il faut faire un mixte, qu'il faut un pouvoir personnel extrêmement fort, mais avec une façade républicaine, que ça soit donc le Napoléon du 18 Brumaire 1799 ou le général de Gaulle. L'idée d'Auguste, l'idée de ce passage de moins 27 va être très importante. Qu'est-ce qu'il y a à retenir comme dernier élément de notre République romaine ? Bah d'abord, chose très importante pour tous ceux qui sont attachés à cette idée, c'est que ce nouveau régime qui partage les pouvoirs, qui est attaché au droit, bah Cicéron, le grand Cicéron, le grand orateur, il va lui donner un nom. Il va dire, au fond, ce qui nous caractérise, le mot-clé pour parler de notre régime, c'est que nous n'avons pas seulement une multiplicité de choses privées, d'affaires privées, nous sommes unis par une chose. Donc là, on continue dans la pensée d'Aristote du fait qu'on est unis. Et au lieu de dire « nous sommes unis par la cité », ce qui est le cas, puisque c'est Rome, il dit « nous sommes unis par la chose publique ». Et la chose publique, en latin, ça se dit « res publica ». Et voici donc l'étymologie de notre mot qui apparaît littéralement. Aristote avait posé l'idée, désormais nous avons carrément le mot « res publica ». Et Cicéron pose des phrases extrêmement importantes pour notre récit, puisqu'il va rajouter 2 éléments qu'il faut retenir. Le premier, c'est « res publica est res populi ». En latin, ça veut dire « la chose publique est la chose du peuple ». Donc, un élément, évidemment, qui sera repris par la tradition révolutionnaire, à commencer par Rousseau, j'y viendrai tout à l'heure. Et aussi, il dit une deuxième chose à laquelle je suis très attaché, c'est qu'il donne la première définition de la République selon les Romains, dans un livre, on ne l'invente pas, qui s'appelle « De Republica », donc « La République ». Que dit-il ? Il dit, au fond, il existe, et ça sera aussi intéressant tout à l'heure si on veut poser des questions sur le peuple, 2 acceptations possibles du mot « peuple ». Une acceptation politique. Le peuple peut être un ensemble politique. Et les Romains ont un mot, ça s'appelle le populus. Et il peut y avoir une acceptation plus sociale, c'est la plèbe. Voilà quelque chose qui va changer l'histoire de la philosophie politique, parce que, contrairement à nous qui n'avons qu'un mot, et d'ailleurs c'est ça qui fait que quand on parle, nous, de peuple, dans l'impensé de nos concitoyens, les deux sont là. Si je dis « je suis le peuple, nous sommes le peuple », partons avec le peuple a raison. On voit très bien qu'il y a à la fois cette idée du populus, cette idée de l'ensemble des Français, mais il y a aussi le peuple, une espèce de charge impensée, révolutionnaire, sociale, où le peuple, c'est, d'ailleurs on a rajouté parfois un épithète pour essayer de mieux le comprendre, c'est le petit peuple, c'est le peuple des faubourgs, les sans-culottes, c'est le peuple ensuite prolétaire, etc. Chez Cicéron, ce qui l'intéresse, c'est le populus. Le populus, bah oui, c'est le peuple en entier, l'universalité du peuple romain. Et il lit les deux. Qu'est-ce qu'une res publica ? Il nous dit,
Une respublica, c'est lorsqu'il y a un populus. Et qu'est-ce qui caractérise le populus? Il nous dit, dans ses formules, c'est de ne pas être simplement un groupe d'hommes qui ressemblerait à un troupeau. Ce sont des hommes qui ont deux caractères. Un, ils sont assemblés. Ils ont ce lien les uns aux autres, donc on retrouve la philosophie d'Aristote. Ils ont un lien d'assemblée et deuxièmement, ils ont une loi commune. C'est fondamental à quel point là on voit les pions qui vont jalonner l'idée républicaine. Parce que, par exemple, je pense à la phrase de Sieyès dans « Qu'est-ce que le tiers-État » en janvier 1789, quand il définira la nation, je ne sais pas si on aura le temps de le voir aujourd'hui, Sieyès nous dira « Qu'est-ce qu'une nation ? Un corps d'associés vivant sous une loi commune et une même magistrature. » Donc, on est vraiment quasiment dans un miroir de la pensée de Cicéron. Donc, avec Cicéron, nous avons quasiment une définition moderne. La respublica, donc, c'est un partage de pouvoir, c'est la possibilité d'éviter la tyrannie, c'est le fait d'être attaché à la chose publique, c'est être attaché à l'idée que cette chose publique, elle appartient au peuple en entier, un peuple caractérisé par l'idée du désir de s'assembler et de vivre sous une loi commune. Nous aurions pu vivre longtemps dans cette république, mais toutes les belles choses ont une fin. Et frappé donc d'abord par l'Empire, puis par les guerres, les invasions nordiques, la scission à partir de 284 entre les deux blocs qui deviendront Empire d'Orient et Empire d'Occident, Rome finit par disparaître en 476. En 476, Rome disparaît. C'est la chute de l'Empire romain d'Occident et ce qui constituait cet espace de la façade occidentale européenne va être recomposé en toute logique par une myriade de royaumes. Nous rentrons dans ce que j'appelle alors l'éclipse républicaine. Cette éclipse républicaine va durer entre ce 5e siècle et le 15e siècle. Si on devait dire trois mots très rapides sur cette éclipse républicaine, elle se caractérise par une substitution. À l'idée républicaine, on y amène deux choses, la monarchie et la religion. La religion chrétienne, qui pendant longtemps a été combattue par Rome, à ce moment-là, retrouve sa vitalité et son essor. Autour de ceux qu'on appelle les pères de l'Église et des gens comme Tertullien, mais surtout avec des gens comme saint Augustin. Et saint Augustin, il va écrire un grand livre qui s'appelle « La cité de Dieu » où il va nous dire « Il y a au fond deux cités, la cité terrestre et la cité céleste. Ce qui compte, c'est la cité céleste. Ce qui compte, c'est la vie après la mort. » Et donc, et ça, il faut bien le retenir lorsqu'on veut avoir une connaissance sur la philosophie politique au temps long. À mes yeux, saint Augustin détruit le premier fondement de la philosophie politique dont je parlais tout à l'heure, qui est la question du meilleur des régimes. Cette question-là devient annexe. La question principale, à partir de ce début du Moyen-Âge, c'est surtout, pour les hommes, et pour la plupart même des gens qui vont écrire, méditer, qui sont souvent des hommes d'Église, c'est la question du salut de l'âme. Donc on rentre, donc vous comprenez bien l'idée, on rentre dans une période où on met de côté le meilleur des régimes, on va plutôt vers le salut de l'âme. Quelles sont les conséquences politiques? Les conséquences politiques, c'est que deux choses se rejoignent. D'abord, en fait, l'effondrement de l'Empire romain d'Occident donne lieu, je l'ai dit, à une multiplicité de royaumes barbares, Burgondes, Visigoths, Ostrogoths, Alamans, Huns et évidemment les Francs, qui sont caractérisés par de la monarchie, qui sont caractérisés par le fait d'avoir un chef, un roi. Et donc, finalement, lorsque les hommes d'Église ont à penser cette mutation politique, ils se disent « ce chef-là, on va l'accepter parce que de la même manière qu'il y a un soleil, un dieu, un père de famille, peut-être que le mieux, c'est d'avoir un roi. » Et ce roi, évidemment, progressivement, la patristique latine, les pères de l'Église vont progressivement dire que se confond en lui un peu l'image du Christ, ou du moins, pour être plus précis, l'idée qu'il soit le ministre de Dieu sur terre, ce qu'on appelle le ministerium regis. Et ainsi, nous rentrons dans une longue période où la monarchie domine, la monarchie est incontestable, et elle est évidemment soutenue par l'Église, qui est dans une logique de pacte, où on demande finalement
au prince ou au roi de France de soutenir l'Église comme une religion d'État, en lui donnant des moyens, en lui donnant sa sécurité matérielle, financière, et vraiment, quand je dis matérielle, c'est parce que dans les campagnes, on peut être parfois attaqué. Et de l'autre côté, l'Église, évidemment, donne toute son aura, toute sa puissance, d'abord par l'idée de sacre. On sait que Clovis est baptisé, les historiens hésitent entre 492, 496, et 508, mais en tout cas, c'est vraiment l'acte de création de la France parce que c'est le Regnum Francorum. Et puis, la deuxième dynastie, après les Mérovingiens, les Carolingiens, sont là aussi marqués par une alliance avec l'Église. C'est 751, le premier Carolingien, Pépin le Bref, qui est sacré. Et donc, à partir de ce moment-là, on rentre dans une monarchie sacrée, unie profondément à l'Église. Alors, la République disparaît, la République semble anéantie, engloutie, lorsque surviennent les cités italiennes. Alors là, un rapide différent historiographique nous oppose, Jacques de Saint-Victor et moi, avec l'école de Cambridge et des grands noms comme Pocock ou Skinner, qui nous disent que l'éclipse prend fin au XVe siècle. Nous pensons, avec Jacques de Saint-Victor et d'autres grands noms de l'histoire du droit, que finalement, en France, quelque chose se jouerait autour du XIIe, XIIIe siècle, lorsque saint Thomas d'Aquin retrouve Aristote et essaye de défendre la possibilité d'un régime mixte. Je mets de côté ce débat historiographique pour arriver au XVe siècle. Au XVe siècle, il y a ce qu'on appelle l'apparition de cités italiennes bien connues comme Florence ou Venise. Et dans ces cités italiennes, on retrouve ce qu'il y avait chez Aristote. C'est-à-dire l'idée qu'on a, les gens qui ont été par exemple à Venise au palais des doges connaissent ça, on semble avoir un élément monarchique avec le grand doge, mais on semble aussi avoir une assemblée qui semblerait assez aristocratique et puis une assemblée du peuple. Donc, on retrouve notre gouvernement mixte. Et c'est lui qui fait tenir à la fois Florence et à la fois Venise. Alors, un grand penseur, le plus grand penseur de l'époque, se penche sur cette question, c'est Machiavel. Et Machiavel, lui aussi, commence à s'intéresser au meilleur des régimes. C'est la résurgence, le moment ressuscité de cette question du meilleur des régimes. Et c'est à cette occasion que Machiavel va relire des auteurs anciens comme Polybe, comme Tite-Live, et dans le fameux texte de Décade à Tite-Live, il se dit, au fond, la grandeur de Rome, c'est d'avoir été un gouvernement mixte. Et va apparaître cette idée qu'il y a à Rome les trois éléments dont parlait Aristote. L'élément monarchique, ce sont les consuls. L'élément aristocratique, c'est le Sénat. L'élément démocratique, ce sont les comices du peuple, qui sont des assemblées du peuple, et on pourrait dire aussi les tribuns de la plèbe. Et donc de là, Machiavel, loin de l'image qu'on a de lui, simplement le machiavélisme, etc., etc., est en fait un républicain. Du moins, c'est ce qu'en dira Rousseau. C'est un manuel de républicain. Et alors, son idée de considérer que le meilleur des régimes doit être une république, c'est en fait le fait de défendre ce qu'on appelle le gouvernement mixte. Et là, nous rentrons alors dans une nouvelle phase de notre république, phase moderne qui nous rapproche de notre temps présent, c'est que Machiavel va influencer l'ensemble des penseurs européens, ou du moins toute une tradition. Et c'est pour ça que Pocock, dans un livre fameux, a appelé ça le moment machiavélien. La pensée de Machiavel va migrer jusque en Angleterre, dans l'Angleterre du XVIIe siècle, où des révolutions éclatent, vous le savez, deux. La première, parce qu'il y a un changement de dynastie, les Stuarts remplacent les Tudors et ont un comportement un peu tyrannique. Et la deuxième qui sera la Glorious Revolution en 1688. Mais globalement, pour ne pas trop rentrer dans le détail, simplement, on va avoir des penseurs comme Harrington qui va écrire Oceana et qui va avoir des échanges avec ceux qui feront partie de ce qu'on appelle la République de Cromwell, ou pour le dire comme les Anglais, le Commonwealth. Et le Commonwealth, qu'est-ce qu'il nous dit?
Bah, le Commonwealth, en fait, il nous dit le meilleur des régimes, et vous le connaissez maintenant en Angleterre, c'est d'avoir un élément monarchique, roi ou reine, c'est d'avoir un élément aristocratique, c'est la Chambre des Lords, et c'est d'avoir un élément démocratique, c'est House of Commons, la Chambre des communes. Donc, on voit bien que de Machiavel, on passe aux Anglais, et la pensée d'Harrington, parce qu'il est anglais, à son tour migre du côté des États-Unis. Et un siècle plus tard, lorsque les 13 colonies britanniques décident de rentrer par un effet boomerang, ils ont vu ce qui s'est passé en Angleterre et ils décident la même chose, je ne rentre pas dans les détails fascinants de la révolution états-unienne, je reste avec mon fil rouge, on verra chez les Founding Fathers, les pères fondateurs, l'idée qu'il faut s'appuyer sur Harrington, donc sur Machiavel, donc sous le gouvernement mixte. Et là, soudainement, c'est clair pour nous beaucoup de choses. C'est qu'en lisant les textes pour notre livre avec Jacques de Saint-Victor, des fédéralistes, The Federalist, qui est vraiment le grand journal, notamment avec John Adams nous dit « Nous ne voulons pas être une démocratie ». Aujourd'hui, les États-Unis se réclament comme étant la démocratie, mais en fait, au sens de la science politique, ils ne sont pas une démocratie. Et au contraire, ils veulent être une république. Une république, c'est-à-dire... Vous connaissez tous leur institution. L'élément monarchique, ça va être le président. L'élément aristocratique, ça va être aussi le Sénat. Et l'élément démocratique, la Chambre des représentants. Voici donc ce qui constitue, à la veille de la Révolution, l'idée républicaine. L'idée républicaine, c'est un gouvernement mixte qu'on doit mélanger. Alors là, évidemment, j'espère que ceux qui sont devant leur écran sont en train de travailler, leur idée bouillonne en disant « Mais au final, est-ce que c'est pas ce qu'on a aujourd'hui ?» Avec un président de la République, un Sénat et une Assemblée nationale. Donc là, ça commence à être sulfureux tout ça. Mais ça va devenir encore plus sulfureux parce que je vais rajouter un homme. Un homme par qui va tout changer, par qui tout va être modifié, c'est Jean-Jacques Rousseau. Rousseau... j'ai pas assez de temps pour raconter qui il est, et pourtant il mériterait au moins un cours. Je fais une proposition que vous invitiez les spécialistes de Rousseau. Pourquoi Rousseau est quelqu'un de très important pour notre République ? Parce que avec lui, j'aurais dû passer par Spinoza un moment, mais je regarde les gros yeux de l'horloge et je sais que je dois aller plus vite. Spinoza, ça aurait fallu là aussi un cours en entier. Il y a, entre Spinoza, Diderot et Rousseau, un nouveau rapport vis-à-vis du peuple, du bas peuple. Dans la tradition platonicienne, il y a une certaine peur du peuple. Il y a cette idée que le peuple est éruptif, incontrôlable, et d'ailleurs, il est souvent qualifié de foule. C'est pour ça que j'ai parlé de l'oclocratie. Donc, il y a une grande méfiance du peuple. Spinoza va être un des premiers, dans son dernier livre, Traité politique, à considérer que la multitude pourrait avoir le pouvoir. Spinoza allait nous donner la clé du meilleur des régimes, qui serait la démocratie. Et hélas, le grand Spinoza meurt avant d'avoir fini ce livre, laissant beaucoup d'énigmes et de querelles des spécialistes de Spinoza. Mais par contre, Rousseau, qui a lu Machiavel, qui réfléchit à ces choses, va, lui, parachever cette idée, pressentie chez Spinoza et Diderot, que le peuple doit être pris en cause. Pourquoi ? Parce que vous le savez, Diderot, c'est le cas un peu, mais surtout Rousseau, en étant le fils d'un horloger suisse, donc vivant chichement, en ayant perdu sa mère alors qu'il était très jeune, va sentir dans sa chair cette espèce de souffrance, cette espèce d'injustice qui travaille les entrailles du peuple depuis si longtemps, celui qu'on appellera le tiers-État, voire parfois le quatrième État. Il faut relire, par exemple, le discours sur les origines et les fondements de l'inégalité pour voir cette phrase de Rousseau qui dit tout sur lui. Je le cite, il dit qu'il était né avec une répugnance innée à voir souffrir son semblable. Voilà le programme de Rousseau. Je ne peux pas accepter que l'autre souffre. Et quand il va donc traduire ces inégalités qu'il a observées dans un programme politique, ça va être le grand livre de sa vie, 1762, Le Contrat Social. Alors, que nous dit-il dans Le Contrat Social ? Le Contrat Social s'inscrit dans une séquence qui commence depuis 3 siècles qu'on appelle le droit naturel. Je ne rentre pas dans ce débat.
Simplement, pour le dire en deux mots, le droit naturel, c'est l'idée que la société se serait constituée autour d'un contrat. Alors évidemment, c'est un artefact. Aucun des penseurs du droit naturel, Grotius, Pufendorf, sont vraiment à considérer qu'un jour, les gens sauvages se sont serrés la main et a dit « on est ensemble ». Mais globalement, ils inventent cette hypothèse philosophique de dire « il y aurait un état de nature, les hommes vivent dans un état de nature, et ensuite il y aurait un état civil ». Quelle est la grande question que se posent les grands penseurs ? De Grotius, j'en ai parlé, mais surtout ensuite, par exemple, Locke ou Hobbes. C'est comment vivait-on dans l'état de nature et pourquoi voudrait-on vivre dans l'état civil ? Pour la plupart, l'idée est simple. C'est que dans l'état de nature, tout le monde a l'ensemble de ses libertés, mais ces libertés, on ne peut pas en jouir puisque, comme le dit Hobbes, c'est la guerre de tous contre tous. Il y a un risque... Donc, chez Hobbes, carrément à ne pas pouvoir être libre, voire ne même pas pouvoir vivre. Hein, c'est sa grande théorie du Léviathan, la peur de la mort violente qui pousserait les gens à accepter de troquer leur liberté pour une sécurité. Du côté de Locke, c'est parce qu'il considère que les hommes veulent faire reconnaître leur propriété. Rousseau est insatisfait de cette idée qu'il faudrait troquer complètement notre liberté. Il est insatisfait de la proposition de Hobbes de dire « nous avons le choix entre liberté et sécurité ». Et donc, Rousseau, évidemment, l'assimile à l'égalité, mais c'est aussi un penseur de la liberté. Il se dit « comment être libre ?» Sa réponse, c'est « en votant soi-même les lois ». Et c'est ainsi que son contrat social, sa grande nouveauté, ça va être de dire « nous ne faisons pas un contrat social où nous acceptons de rentrer en société pour ensuite, dans un deuxième temps, donner notre droit de gouverner à une superstructure, qui sera le Léviathan chez Hobbes. Il dit, nous allons nous gouverner nous-mêmes. C'est son invention géniale, c'est de dire, il n'y aura pas de représentation. La seule démocratie qui vaille, c'est une démocratie directe. Alors, tous les spécialistes de Rousseau devant leur écran disent « oui, mais c'est plus compliqué, que ce soit dans le projet de la constitution de Pologne ou de celle de Corse, il revient là-dessus, c'est tout à fait vrai. Rousseau est un penseur complexe, évolutif, et donc faisons attention à ne pas considérer qu'il n'a défendu que la démocratie directe. Mais dans l'idéal du contrat social, il défend la démocratie directe. Et il invente un concept de volonté générale. Il considère que le peuple bien éduqué, qui pense bien, sera capable de faire les meilleurs choix pour lui. Et c'est là que Rousseau a ce moment décisif pour l'histoire de la République française, c'est qu'il va faire un transfert de souveraineté. La souveraineté, ce mot qui est sur toutes les lèvres, ce mot qui est si important, ce mot qui est dans les premiers articles de notre Constitution, est apparu en fait au XVIe siècle, précisément en 1576, dans un livre fameux de Jean Bodin qui s'appelle « Les six livres de la République ». Au cœur des guerres de religion, Bodin a inventé le concept de souveraineté, la qualifiant de puissance absolue et perpétuelle, et il l'a attribué au roi. C'était donc un facteur d'unité, un facteur de stabilité, une capacité pour le roi, pour la monarchie, de maintenir cet état qui se délitait du fait de la monarchie, des guerres des religions. Mais Rousseau considère que cette souveraineté, elle ne doit pas appartenir au roi, elle doit appartenir au peuple. Et le peuple, ainsi, devient souverain, ainsi fait la loi, et ainsi, par la volonté générale, est le plus à même de devenir son propre maître, mais en étant maître de soi-même, en ayant voté les lois, alors on en est libre. N'importe qui peut faire cette expérience. Vous prenez un moment où vous partez en vacances. Il va de soi que si quelqu'un dit « j'impose les règles », ça sera beaucoup plus difficile parce que ça viendra de l'extérieur que si l'ensemble des personnes disent « voilà, on se met autour d'une table et on trouve la possibilité d'agir ensemble pour créer ce programme des lois organisant nos vacances ». Alors, je pense que je ne vais pas rentrer dans la question de la volonté générale qui pose un peu problème. C'est de savoir si, nécessairement, on aurait à penser, à pouvoir trouver cette volonté générale. C'est-à-dire que Rousseau nous dit la volonté générale, ce n'est pas un ensemble, une succession de volontés individuelles, c'est vraiment la pensée commune. J'ouvre une parenthèse que je termine rapidement, mais je vais essayer de donner un exemple. Qu'est-ce que voudrait dire, par exemple, Rousseau ? C'est moi, là, je suis invité à un cours. On pourrait très bien considérer que
imaginons, j'ai des choses à faire à 11 heures. Si je pense qu'à moi, j'aurais peut-être voulu faire ce cours à 7 heures. Donc, si j'étais une volonté individuelle, je dis, moi, je viens à 7 heures, etc. Mais si je suis rousseauiste et républicain, je l'ai dit tout à l'heure, j'intègre le collectif dans ma pensée. Et donc, à ce moment-là, je sais qu'on a une équipe technique qui est là, qui a une famille, et me dire que je les fais venir à 7 heures, c'est peut-être leur faire l'offense de ne pas pouvoir profiter de leurs enfants. Donc, dès lors que j'intègre le collectif, je me dis 10h30, c'est pas mal, ils auront vu leurs enfants, ils auront eu le temps de se mettre en place. J'intègre aussi celui qui est devant son écran, qui avait envie de dormir, et que si j'avais fait ce cours à 7 heures, ne serait peut-être pas là. C'est ça la volonté générale, c'est ne pas être simplement à dire « mais moi, qu'est-ce qui m'intéresse, moi tout seul ?» Mais allez, je vais essayer de penser avec les autres. Et en fait, probablement que dans cette salle, bah, tous on serait mis d'accord. C'est ce qu'on a fait en disant 10h30, c'est bien pour le public, c'est bien pour l'intervenant, c'est bien pour le cadre technique. Voilà ce qui s'appelle une pensée collective. Donc, Rousseau va être le grand changement et nous appelons ça, avec Saint-Victor, l'exceptionnalisme français. Je termine là-dessus ma première partie. C'est que, comme vous l'avez compris, la tradition du républicanisme classique de Aristote, Cicéron, repris par les cités italiennes, par Machiavel, les Anglais et les Américains, c'est l'idée que la République est un gouvernement mixte, un gouvernement avec les trois éléments monarchiques, aristocratiques et démocratiques. La spécialité française, l'exceptionnalisme, notre singularité, et vous l'avez tous déjà ressenti dans votre ventre, dans votre rip, c'est que Rousseau nous dit que la République, bien comprise, parce qu'elle est l'expression de la volonté générale et de la souveraineté du peuple, ne peut être qu'une démocratie et uniquement une démocratie. Voilà donc la fin de notre histoire républicaine, c'est-à-dire, avec Rousseau, les Français vont désormais considérer que République et démocratie s'épousent, que la République, le bien commun, l'idée qu'il faut agir pour l'ensemble des personnes, personne mieux que cet ensemble, ce peuple lui-même, peut choisir ce qui est bon pour lui. Et ainsi, on chasse philosophiquement les ordres privilégiés, les aristocrates et le roi. Qui va s'en souvenir? Qui va le méditer? Les Jacobins. Les Jacobins dont je vais parler dans quelques secondes. Les Jacobins qui vont arriver et qui vont nous dire, à la Révolution française, Rousseau nous a montré la voie. Je repense notamment à cette lettre de Robespierre qui, en fait, dans son journal intime, juste avant de quitter sa ville d'Arras pour aller à Paris, écrit cette belle lettre qu'il dédie à qui ? Aux mânes de Rousseau, ça signifie aux esprits de Rousseau. Il lui dit « guide mes pas, donne-moi la foi d'être un bon représentant du tiers-État et d'être fidèle à la hauteur de ma tâche qui est la régénération de la France ». Et ainsi, à travers des gens comme Billaud-Varenne, comme Saint-Just, comme Robespierre surtout, les Jacobins vont donc, au moment où on va passer à la République en 1792, ils lui donner cette coloration rousseauiste et donc dire que la souveraineté n'appartient pas à la nation, mais elle appartient au peuple. Ils vont lui donner cette idée que la loi est l'expression de la volonté générale. Ils vont lui donner cette sensibilité sociale. Ils vont donc tout ça, l'auréolé de l'idée qu'une république doit être faite pour le peuple, pour la patrie. Et c'est ça qui, évidemment, va marquer l'histoire de la République, parce que ça sera la première. C'est donc la République originelle, la République première. Donc, voilà ce que je voulais dire pour cette formulation qui nous permet de comprendre que « respublica » veut dire « chose publique », mais qu'elle n'a pas le même sens nécessairement pour les anglo-saxons. Donc, ne confondons pas tout. Ne soyons pas à dire « oui, mais regardez la République anglaise ou la République états-unienne ». Ce sont des traditions qui ont complètement le droit d'exister, mais sachons qu'effectivement, la transplantation des modèles de pays différents, ça se fait à un certain prix, et que nous avions une autre tradition. Donc, il me reste 20 minutes. Alors, on va passer à une deuxième chose, et puis comme ça, je verrai un petit peu ensuite la question. Enfin, les questions qui sont posées. J'ai dit qu'est-ce que la République ? Maintenant, on va approfondir ce détail
qui est que j'accepte, et je le comprends, que la République, je l'ai dit, étant la chose de tous, elle est tiraillée, elle est prise par différents camps. Et en réfléchissant, en travaillant sur ce travail, c'est un pléonasme, en travaillant sur ce livre, je me suis dit qu'au fond, on avait peut-être commis une erreur, c'est de vouloir à tout prix rendre unidimensionnelle l'idée républicaine. Il y a un livre qui fait référence, qui est vraiment un indépassable, c'est un livre de Claude Nicolet, auquel je rends hommage à son œuvre et sa mémoire, qui s'appelle « L'idée républicaine ». Toute personne qui travaille sur la République commence par l'idée républicaine. Et véritablement, Claude Nicolet a ouvert des champs de réflexion très grands. Mais très humblement et modestement, je me suis dit que partir avec cette idée d'une idée républicaine unidimensionnelle ne nous permettait pas de voir toute la complexité qu'il y avait eu entre le moment de cette République apparaissante en 1792 et aujourd'hui. Et donc, j'ai proposé d'essayer de voir, en suivant des pensées, des livres, des courants doctrinaux ou idéologiques, des hommes, évidemment, et leur trajectoire, de voir cette cartographie républicaine dans ce que j'appellerais sa dimension pluridimensionnelle. Et j'en suis arrivé à proposer ce qui fait débat, ce qui peut amener des questions, et j'en serais ravi, à quatre sensibilités. Alors cette idée de typologie, cette idée de taxinomie, elle avait été faite, vous le savez, concernant la droite, c'est René Raymond qui avait posé les célèbres trois droites en France, légitimiste, orléaniste et bonapartiste, trois droites complétées notamment par les travaux de Zef Sternel avec la droite révolutionnaire. Et puis, dernièrement, il y a eu également les gauches en France avec le travail de Gilles Candard ou le travail de Jacques Julliard. Donc évidemment, tout ça est très important et c'est ce qu'on appelle un travail heuristique, c'est-à-dire ça n'a pas vocation à être figé, ça n'a pas vocation à dire que c'est exactement parfait, ça n'a pas vocation à dire que l'homme de 1870 considère qu'il est exactement dans son sillon ou son couloir d'athlétisme. C'est à dessein que j'ai utilisé le terme de sensibilité. On a, vous allez le voir, quatre sensibilités qui ne sont pas tout à fait les mêmes et qu'on retrouvera même aujourd'hui et chacun devant son écran pourra se poser la question pour savoir de quel côté il est. Alors, quelles sont ces quatre sensibilités ? Il y a la sensibilité libérale, il y a la sensibilité jacobine, il y a la sensibilité plébéienne et il y a la sensibilité conservatrice. Commençons avec la sensibilité libérale. La sensibilité libérale, en fait, est la plus ancienne. Au fond, tout ce que j'ai expliqué sur de Aristote à Cicéron en passant par Machiavel, c'est le grand fondement du républicanisme libéral. Le républicanisme libéral, il est attaché à l'idée d'équilibre des pouvoirs. Polybe, qui a étudié ces questions-là, nous parle de contrepoids. Montesquieu, qui est évidemment dans les générateurs de cette pensée du libéralisme républicain, Montesquieu, évidemment, n'a pas inventé la séparation des pouvoirs comme on le croit, mais s'est appuyé, évidemment, sur l'Angleterre. Donc là, tout le monde commence à faire les liens, l'Angleterre qui avait cette idée de régime mixte, et a dit cette phrase « C'est une expérience éternelle que toute personne ayant du pouvoir est portée à en abuser ». Et un peu plus loin, il dit « Il faut donc que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». Donc là, le libéralisme républicain nous pose ces choses-là. Il faut savoir que Montesquieu se réfère évidemment à la République. C'est lui qui va par exemple poser comme le premier de dire la définition de la vertu, en disant « La vertu, c'est l'amour des lois et de la patrie ». Donc chez certains libéraux, il faudrait réfléchir aussi au fait que les concepts de vertu, d'amour de la patrie, c'est quelque chose qui existe aussi dans la tradition libérale, on pourrait en discuter. Donc ce premier point, c'est le rejet de la tyrannie, la volonté de contrepoids, d'un pouvoir, d'un équilibre. Au nom de quoi ? Au nom d'abord d'un goût de la modération. Le libéral reprochera aux jacobins et aux plébéiens sa fougue, sa passion, son énervement, son caractère impétueux. Il sera, lui, plus modéré, plus pondéré. Deuxièmement, parce qu'il est attaché à l'idée de raison.
La tradition du libéralisme républicain mettra souvent en lumière le rationalisme. Elle dira « nous devons penser le politique et ne pas agir avec les tripes, avec le ventre ». La politique est une science pour les libéraux. Enfin, troisième raison de l'importance de ces contrepoids, c'est évidemment la notion clé des libéraux, c'est la liberté. La liberté, elle doit donc être défendue par cet équilibre des pouvoirs. Et également, une autre notion qui est extrêmement importante chez les libéraux, c'est l'idée de l'état de droit. Je l'ai dit tout à l'heure, chez Cicéron, il y avait bien cette idée que tout le monde, et dans la République romaine, devait être soumis au droit. Les libéraux républicains sont attachés aussi à cette chose-là. Il y a l'idée que le droit doit l'emporter sur tout le monde. Et évidemment, ça posera des questions peut-être qu'on aura dans la dernière demi-heure entre les partisans justement aujourd'hui du contrôle constitutionnel, de ce que certains collègues de la doctrine publiciste appellent le gouvernement des juges, c'est-à-dire qu'on a un conseil constitutionnel, une cour suprême qui l'emporte sur la volonté des peuples au nom d'une rationalité juridique, au nom d'un idéal du droit qui doit l'emporter sur toute chose. Donc, véritablement, la chose est posée dès les premiers libéraux. Et elle va s'affiner au cours de la Révolution française parce que les libéraux républicains vont identifier deux ennemis, deux ravins. D'abord, le despotisme monarchique qui vire à la tyrannie. Donc, le libéral républicain va être effectivement contre la tyrannie, mais aussi contre ce que Tocqueville appellera le despotisme de la majorité et qu'on retrouvera à leurs yeux de la part des libéraux républicains du côté des Jacobins. Donc, on a à partir de ce moment-là vraiment des traits constitutifs, amour de la liberté, de la modération, de l'importance de l'équilibre des pouvoirs et de l'importance du droit. Qui sont les figures les plus importantes? Ben, je vous dirais d'abord Montesquieu, même si évidemment en étant avant la République, c'est toujours dangereux de faire de l'anachronisme. Ensuite, ça va être des gens comme Condorcet, le grand Condorcet qui va être républicain avant même la Révolution et qui a tous ces éléments, l'importance de la rationalité, l'importance d'une science politique, l'importance du droit. C'est quand même lui qui fait un projet de constitution au nom des Girondins en 1793. Ensuite, on trouvera Lafayette. Lafayette sera le grand nom sous la restauration du parti républicain au nom du libéralisme. Il s'enorgueillera de dire qu'il a lutté contre la monarchie absolue, contre Robespierre et contre Napoléon. Donc, il sera l'homme de la liberté, il sera vraiment le bréviaire vivant de la liberté. Et cette tradition, ensuite, elle trouvera en fait à se diviser entre ceux qui seront seulement libéraux et pas républicains. Je pense notamment à Guizot et aux doctrinaires qui seront vraiment attachés à l'idée que au fond, on peut être en monarchie constitutionnelle, c'est la monarchie de Juillet, ça compte pas parce que c'est la liberté qui l'emporte. Et puis d'autres qui diront non, quand même, il y a un régime à maintenir, à soutenir. Et ce sera Lamartine en 1848. Ce seront ensuite des gens comme Jules Simon, comme Vachereau ou comme Jules Ferry sous la Troisième République. La Troisième République qui imposera notamment son idéal de liberté avec les grandes lois de liberté, celles de l'éducation, celles des associations, etc. On verra si on pose les questions de savoir qui représente le courant du républicanisme libéral aujourd'hui. Deuxième courant, le plus connu, le républicanisme jacobin. Il est le plus connu parce que déjà son nom est très identifié et aussi parce qu'il est quasi consubstantiel à la Révolution française. Il naît dans la Révolution française, dans les événements, dans le brasier révolutionnaire. La Révolution, c'est le berceau du jacobinisme. Alors, un rapide mot pour expliquer d'où vient déjà le jacobinisme. En fait, pour le dire en une minute, lorsque les États généraux se réunissent le 5 mai 1789, ils sont là uniquement pour voter l'impôt, pour répondre à la crise des finances que ni Turgot, ni Loménie-Brienne, ni Necker n'ont réussi à répondre. Il faut donc des nouveaux impôts. Seuls les États généraux, qui n'ont pas été convoqués depuis 1614, semblent à même de pouvoir répondre à cette question. Mais
Dans ces états généraux, très vite, au premier soir du 5 mai, la déception du tiers-état vis-à-vis de l'attitude de Louis XVI, là aussi, il faudra faire un cours sur la Révolution française pour rentrer dans le détail, les conduit à aller progressivement vers une volonté supérieure qui est la demande d'une Assemblée nationale. Et ainsi, l'Assemblée nationale autoproclamée le 17 juin sera reconnue par le roi le 9 juillet 1789. On l'appelle l'Assemblée nationale constituante. Et les députés de ce qu'on appelle le Parti patriote, anciennement le tiers-état, prendra l'habitude de se retrouver tous les soirs dans un café de Versailles qui s'appelle le Café Amaury. Comme il y a des grands députés à l'époque comme Lanjuinais et Le Chapelier, on va le surnommer le Club Breton. C'est eux un peu les fondateurs. Et là, tous les grands noms du Parti patriote discutent le soir pour savoir qu'est-ce qu'on va faire le lendemain à l'Assemblée constituante. Sauf que le 5 et 6 octobre 1789, c'est la grande journée des femmes où le peuple de Paris féminin va chercher Louis XVI, Marie-Antoinette, en disant « Nous avons besoin du boulanger, de la boulangère et le petit mitron ». Le pain manque à Paris et Louis XVI est ramené dans les murs de la capitale. Avec lui, l'Assemblée constituante le vienne et déménage dans Paris. Le Club Breton donc, ne peut plus se dérouler au Café Amaury, donc on cherche un endroit. Quels sont les endroits où il y a le maximum d'espace? Les lieux religieux. On va donc aller dans un couvent, dans un monastère qui est tenu par les frères de l'ordre de Saint-Jacques. Et on les appelle à l'époque les Jacobites. Et le nom, à ce moment-là, devient officiellement du Club Breton la Société des Amis de la Constitution. Mais si vous voulez, comme nous, par réflexe, pour parler d'un bar, on l'appelle par exemple le QG, progressivement, on va s'habituer à dire, ah bah, vu qu'ils vont à l'ordre des Jacobins, les Jacobites, de Saint-Jacques, on va dire les Jacobites, les Jacobins, et donc on va finir par les appeler les Jacobins, et ensuite le Club des Jacobins. C'est ça, l'historicité de la chose. Et c'est là que va être effectivement le cœur, le brasier des débats en dehors de l'Assemblée. Alors, ce républicanisme jacobin qui est si connu. Après avoir dit son nom, je veux tout de suite mettre fin à une idée sclérosante. Le jacobinisme en France aujourd'hui est quasiment assimilé exclusivement à la centralisation. C'est faux, c'est nécrosant, c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté pour y revenir plus tard. Quels sont les éléments constitutifs du jacobinisme? Le premier, c'est l'égalité. Il y a des phrases de Robespierre, plus grand évidemment représentant du jacobinisme, qui est de dire, voilà, nous avons fait une première révolution, celle de 1789 qui était pour la liberté, nous devons en faire une deuxième pour l'égalité, ça sera celle de 1792. Vous vouliez me dire quelque chose? Non? Ah, je croyais. Donc, premièrement, l'idée d'égalité. Deuxièmement, le culte du peuple. Il y a un amour immodéré de peuple. Et cette chose-là, en fait, elle prend racine dès le début de la Révolution, parce que il faut quand même ne pas oublier que quelqu'un comme Mirabeau, dans sa phrase célèbre rejetant l'anathème du marquis de Rebrézé lorsqu'il leur demande de quitter la salle des menus plaisirs le 23 juin, c'est-à-dire lorsque Louis XVI essaie de reprendre la main, Mirabeau dira cette phrase éternelle « Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple » et que nous en sortirons que chassés par la force des baïonnettes. Donc la volonté du peuple est déjà convoquée. Mounier, qui est un homme modéré, qui fait partie des monarchiens, qui n'est pas du tout un jacobin, parlera aussi de la volonté du peuple lors du projet de constitution. Donc cette volonté du peuple, elle est omniprésente, mais elle flotte, elle est parfois confondue avec la nation, et la spécificité de Robespierre, ce qui va en faire, à mes yeux, en fait, l'avant-garde de la Révolution, et peut-être même l'âme de la Révolution, c'est qu'il va être le premier à avoir l'intuition que le peuple est le moteur de la Révolution, et qui fait qu'il aura toujours des combats d'avant-garde, même pendant la Constituante. Le peuple devient très important. On pourra poser la question tout à l'heure de savoir à quel point il faut représenter le peuple. Robespierre a une réponse célèbre lorsque Brissot, au moment des combats entre Girondins et Montagnards à l'hiver 91-92, se moque de lui au club des Jacobins. Brissot qui est pour la guerre alors que Robespierre est contre la guerre. Brissot lui dit « Oui, on sait, toi le grand avocat et défenseur du peuple ». Et Robespierre lui répond « Je ne suis pas défenseur du peuple, je suis du peuple. Je méprise quiconque a la prétention d'être autre chose ».
Donc on voit bien importance de l'égalité, culte du peuple, les choses évidemment vont ensemble, qui vont se traduire par à la fois la souveraineté, mais aussi cette expression rousseauiste qui est dans l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, la loi est l'expression de la volonté générale. Donc la volonté générale du peuple doit être dans la loi et la loi l'emporte sur tout. Peut-être même sur la logique du droit, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Et ce jacobinisme, parce qu'il est attaché au peuple, parce qu'il est attaché à l'égalité, invente les prémices de ce qu'on appellera la question sociale et marque une différence entre les libéraux qui étaient attachés à l'égalité des droits, article 1er de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, avec... le jacobinisme, on a des phrases comme Robespierre qui dit « Nous avons substitué à l'aristocratie de naissance l'aristocratie des riches ». Donc il dit « Ça ne suffit pas d'avoir posé une inégalité des droits, une égalité des droits. Il faut aussi aller à la racine et taper la question de la richesse ». Ceci est une pensée à son commencement, on est loin d'avoir une structuration marxiste ou même saint-simonienne, mais on a une sensibilité à la question de la richesse et aux plus pauvres. Et ainsi, contrairement à ceux qui disent « la révolution est juste un moment bourgeois », on oublie qu'à partir du moment où la Convention devient montagnarde, c'est-à-dire à l'été 93, après les journées du 31 mai et le 2 juin 1793, les montagnards vont avoir ce qu'on appellerait aujourd'hui une politique sociale, politique d'assistance pour les veuves, pour les malheureux, et une idée d'aide quand on le peut, même sur la question du travail. Et cette chose-là, elle va véritablement prendre corps, notamment avec la loi de Colère, où on va considérer que le fameux décret du 4 août qui avait aboli les privilèges, mais qui demandait aux paysans de racheter les terres et les titres, ce qu'ils ne pouvaient pas faire, et bien là, on va leur donner directement. Et puis, on va même commencer à aller plus loin, mais on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Mais Saint-Just, dans les lois de Ventose, se posera la question de savoir si on peut spolier la propriété des traîtres à la patrie pour le donner aux pauvres. Parce que, dira-t-il, c'est une de ses grandes phrases, « les malheureux sont les puissances de la terre, ils ont droit de parler en maître à leur gouvernement ». Donc, cette idée du rapport aux malheureux, cette idée d'agir pour les malheureux est très importante. Et ça constitue le dernier élément du jacobinisme, qui est une volonté de régénérer les hommes par la vertu même morale. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'homo novus, l'idée peut-être de créer un homme nouveau, un homme en fait qui abandonne les vices de l'aristocratisme, les vices de l'égoïsme, et qui soit beaucoup plus pluriel, beaucoup plus collectif. Ça va être traduit dans l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme du 24 juin 1793, déclaration qui est moins connue, on connaît surtout celle de 89, et qui dit dans son article 1er « le but de toute association politique est le bonheur commun ». Donc, chez les Jacobins, c'est le dernier élément, donc culte du peuple, culte de l'égalité, culte de la loi et idée de bonheur. Idée de bonheur, et évidemment, les libéraux, des gens comme Benjamin Constant, trouveront que le fait que la politique veuille s'occuper du bonheur, c'est l'antichambre d'une potentialité totalitaire. Parce que cette fois-ci, on désire trop de choses, on veut aller trop loin et on essaie de transformer les hommes. Donc, chacun chez vous, vous pouvez faire ce débat entre libéraux et jacobins, jusqu'où on doit transformer le monde. Est-ce que ça doit être simplement politique ou est-ce que ça doit aller jusqu'à la question du bonheur? Saint-Just a dit cette phrase incroyable à l'Assemblée. Il dit « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Donc, on voit qu'il y a cette chose-là. C'est ça qui nous permet enfin d'arriver à la question de l'État et de la centralisation. L'État et la centralisation n'est qu'un moyen, un levier pour tous les principes fondateurs du jacobinisme dont j'ai parlé. C'est-à-dire qu'au nom de l'égalité, on décide qu'il faut utiliser l'État, la centralisation et l'administration pour permettre que l'ensemble du territoire ait les mêmes droits et ait la même éducation. Si on est décentralisé, si on est dans un État régional, régionalisé, si on copie les États-Unis, comme certains le proposent, dans une logique fédéraliste, les Jacobins se disent « peut-être que l'enfant de Dunkerque n'aura pas la même éducation que l'enfant d'Aix-en-Provence ». Donc à ce moment-là, c'est plus pour une idée d'unité
La République est une indivisible, hein, ça a été un slogan proclamé le 25 septembre 1792, mais aussi pour cette idée d'égalité. Partout sur le territoire, un citoyen français peut et doit pouvoir se dire « j'ai le même droit, j'ai la même éducation, j'ai les mêmes conditions de vie ». Voilà donc ce que dit le jacobinisme. Je passe au troisième, au plébéien, et ensuite je finirai sur le conservateur et on passera aux questions. Le républicanisme plébéien est moins connu, moins identifiable et va faire l'objet de plusieurs colloques et de discussions puisqu'il est quasiment une création ex nihilo de ma part. Pour beaucoup de libéraux, plébéiens et jacobins, c'est les mêmes. C'est la gauche de la Révolution, on n'en parle pas. Moi, j'y vois des différences. Alors d'abord, pourquoi le nom de plébéien ? Plébéien renvoie à la plèbe, le bas-peuple, et renvoie aussi aux frères Gracques, les frères Gracques qui, sous la République romaine, sont les premiers à avoir voulu distribuer les terres. Donc ce sont les grands, grands, grands ancêtres du communisme. Et donc on va voir que c'est une référence pour les plébéiens. Quinet, dans un livre, parle de république prolétaire. Peut-être que ce sont les mêmes, mais j'avais peur qu'avec prolétaire, il y ait un véritable anachronisme. Alors, ces plébéiens, ils se nourrissent, eux, de leur côté, un peu de Rousseau, mais surtout des Lumières radicales, c'est-à-dire des spinozistes, et surtout ceux qu'on a appelés au XVIIIe les matérialistes. Lamétri, d'Holbach, un peu Helvétius, un peu Diderot. Quelle est la différence avec les jacobins ? Les plébéiens sont matérialistes. Ils considèrent que tout n'est que matière. Du côté des jacobins, il y a un peu de transcendance. Il y a de la mystique. Il y a quelque chose qui n'est pas réduisible à la matière. Deuxième différence, les plébéiens sont véritablement athées. Ils sont contre toute idée, là aussi, de capacité d'un être supérieur. Et d'ailleurs, ils célébreront le culte de la raison et ils brûleront toute divinité, notamment au moment où il y aura, vous le savez, le vandalisme des églises. Du côté du jacobinisme, tout le monde se rappelle du culte de l'être suprême de Robespierre. Il y a quand même peut-être l'idée que quelque chose est au-dessus de nous. C'est aussi pour des raisons politiques, Robespierre sachant qu'en 1793, il est trop tôt pour annihiler complètement l'idée religieuse. Troisième différence, par la force des choses, le jacobinisme a fini par accepter l'importance de l'idée de la nation et de la patrie. La révolution est attaquée, à partir de 1792, elle est en guerre, et donc on va s'habituer à convoquer des choses comme la patrie en danger, la nation conquérante, l'idée qu'il faut faire corps. Et ceci se fonde sur Rousseau qui lui-même regarde des choses comme Sparte. Et on a des phrases de Rousseau qui peuvent faire frémir parce qu'il dit « le républicain est dur vis-à-vis de l'étranger, dur aux étrangers ». Donc, le jacobinisme considère effectivement qu'il faut construire une révolution républicaine sur son territoire et ensuite donner comme un flambeau le relais aux autres pays qui chacun feront des révolutions et des républiques. Ça sera le concept de république sœur. Donc il n'y a pas du tout d'idée d'impérialisme, pas du tout d'idée de haine, de racisme, etc. Mais c'est vraiment cette idée qu'on accepte le fait que chaque pays doit se déterminer. Et d'ailleurs, il y a une phrase jacobine bien connue qui dit « nous sommes les ennemis de tous les tyrans, nous sommes les amis de tous les peuples ». Par contre, du côté des plébéiens, il n'y a pas vraiment cette idée de patrie. Ils sont les héritiers du cosmopolitisme. Ils considèrent, avec Anarchasis Klutz, qu'ils doivent mettre en place la république du genre humain. Ils sont animés de l'universalité et on y voit comme ça Klutz, qui est un Prussien, on y voit des Anglais. Il y a cette idée de dépasser les concepts de nationalité. Quatrième différence, le rapport à la propriété. Les jacobins sont pour une république de petits propriétaires. Tout le monde doit trouver à s'épanouir avec une petite propriété. Du côté des plébéiens, on s'appuie sur des gens donc comme les Gracques, mais aussi comme Morelli, qui est un lumière français. Il appartient aux Lumières français. Et dans le Code de la nature, Marx le considère comme un des ancêtres du communisme parce qu'il dit qu'il faut abolir la propriété privée. Donc les plébéiens peuvent aller plus loin et ils veulent l'abolition de la propriété privée. Le grand plébéien qui le dira, c'est Gracchus Babeuf. Vous voyez, ce n'est pas un hasard. Il prendra le nom des Gracques comme nouveau prénom. Et lui, en créant le Manifeste des Égaux, il voudra mettre fin à la propriété.
Cinquième différence, une différence dans la radicalité. Les plébéiens sont plus durs, ils demandent plus de têtes, plus de morts, une guerre à outrance, une capacité permanente de bousculer l'ordre existant. Dernière différence, sixième, une différence stylistique. Le jacobin, je vous l'ai dit, convoque le peuple, aime le peuple, considère qu'il doit tout faire pour le peuple. Mais cela dit, s'il vient d'un endroit de la petite bourgeoisie, que ce soit Robespierre, que ce soit Gambetta, que ce soit Jaurès, il ne va pas changer son style vestimentaire. À l'inverse, le plébéien veut incarner le peuple. Et ainsi, vous allez avoir, donc pendant la Révolution, le plébéianisme incarné par ce qu'on appelle les enragés, comme Jacques Roux, ou les exagérés qui sont les hébertistes, qui vont s'habiller de façon plus négligente, qui vont se mêler aux sans-culottes et avoir vraiment un style vestimentaire plébéien pour dire « moi je connais la vie des faubourgs ». Et ce style va se manifester aussi par la parole. Les jacobins sont attachés à l'éloquence du verbe, à la puissance du verbe, à l'électricisation que peut permettre l'éloquence. C'est le gendre qui dit ça à un moment à Robespierre, « électrise-nous par ta parole ». Au contraire, le plébéien veut parler le langage du peuple. Le meilleur exemple, c'est le Père Duchesne, le journal de Hébert, très vendu, très tenu, qui fait exprès de parler le langage des faubourgs parisiens et qui, par exemple, ponctue quasiment toutes ses phrases en disant « foutre ». Foutre, foutre, quel grand mot de l'époque, et en ayant vraiment une vraie vulgarité, une gauloiserie, une capacité vraiment d'aller en dessous de la ceinture quand il doit parler de ses ennemis. Donc voilà une différence entre plébéianisme et jacobinisme qui va trouver à s'étendre au 19e siècle avec le fait qu'un des collègues de Babeuf qui s'appelle Buonarroti et avec qui il avait tenté une conjuration des égaux, c'est-à-dire un coup d'État contre le directoire, survivra, écrira, deviendra le maître de Blanqui. Et donc, on aura ce qu'on appelle un babouvisme, puis un néo-babouvisme, qui, en la personne de Blanqui, ce culte de la révolution, de la radicalité, trouvera vraiment à s'étendre. Et on verra bien, par exemple, en 1848, que les disciples des jacobins, ce seront Ledru-Rollin, ce seront des gens comme tous les nouveaux membres de ce qui s'appelleront d'ailleurs la Nouvelle Montagne, comme Michel de Bourges, etc., trouveront à s'opposer avec les néo-plébéiens que seront Barbès, Blanqui, et ils n'auront pas la même vision. À mes yeux, les plébéiens terminent dans l'internationalisme à considérer, voilà, au moment de la Commune, que il n'y a plus de nation qui tienne, c'est des gens comme Varlin notamment, mais n'oublions jamais que la Commune va être justement divisée. Parce que la Commune a surtout été racontée par l'historiographie libertaire et anarchiste, alors qu'en réalité, lorsqu'on est objectif, il y a deux courants qui s'affrontent dans la Commune. La majorité, ce sont des jacobins, avec notamment Delescluze, qui restitue complètement la mystique jacobine. On parle de patrie en danger, de comité de salut public, de république, etc. Mais aussi une minorité très importante, très agissante, qui viennent de l'international. Donc voilà la différence entre les deux. Je termine sur la république conservatrice, la sensibilité conservatrice. La sensibilité conservatrice, c'est quasiment un oxymore. Parce que par essence, au moment de la révolution, si on est conservateur, c'est qu'on est contre-révolutionnaire. On s'oppose à ce changement et à cette modernité. Ça va donc nourrir un grand courant contre-révolutionnaire avec des penseurs de génie comme Bonald, De Maistre, etc., qui sont complètement contre la révolution. Mais quand même, il va y avoir un sillon assez fin sur une ligne de crête où des gens vont se dire « Est-ce qu'au final, si la République est là, je ne peux pas me dire « je dois l'accepter » et essayer de l'investir de l'intérieur pour mieux la contrôler ?» C'est à peu près ce qu'on appelle les thermidoriens, avec la constitution de l'an 3, où on a des gens comme Barras, comme Boissy d'Anglas, qui essayent de dire « bon, on peut essayer de faire la République à condition qu'elle soit avec nos valeurs ». Quelles sont les valeurs des conservateurs ? Bah, c'est d'abord l'ordre et la propriété. Donc l'ordre et la propriété, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va constituer la matrice des conservateurs et qu'à chaque fois qu'un régime semblera plus à même de permettre l'ordre et la propriété, alors les conservateurs seront avec. Ça sera d'abord Napoléon, puis la Restauration, puis la monarchie de Juillet. Mais en 1848, quand la nouvelle révolution arrivera à partir de février 48, alors là, on commencera à avoir des conservateurs qui se disent « au final, est-ce qu'il ne faut pas l'accepter, cette République ?»
Au final, est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est juste un cadre et puis qu'on peut faire ce qu'on veut à l'intérieur? Ces gens-là, on les appellera les républicains du lendemain, contrairement aux républicains de la veille qui luttent depuis 30 ans et qui parfois luttent au prix de leur vie et de la prison. Ces républicains du lendemain, ça sera ceux qui seront élus le 4 mai 1848 à l'Assemblée constituante autour de la grande figure des républicains conservateurs, c'est Adolphe Thiers. On les appellera les partis de l'ordre. Quelle est l'idée des conservateurs? Elle est très intéressante. À leurs yeux, ils ne sont pas contre la liberté, mais ils estiment que la première des libertés, c'est l'ordre. Et à leurs yeux, jacobins et plébéiens sont des fauteurs d'ordre. Ils ne rendent pas possible l'ordre. Ils seraient trop excessifs sur la propriété, sur l'idéal social. Et donc, en permanence, on considère qu'il faut juguler leurs envies, à commencer par juguler l'idée du peuple. Ça donnera les journées de juin 1848 où, par un soulèvement d'ouvriers, on verra des affrontements qui donneront à l'Assemblée constituante l'obligation, à leurs yeux, de donner le plein pouvoir au Cavaignac, à Cavaignac qui tuera entre 3000 et 5000 ouvriers en quelques jours. Cette idée donc que l'ordre est la première des libertés. Grâce à l'ordre, on aura du calme. Grâce au calme, on aura de la prospérité. Grâce à la prospérité, on aura des propriétaires. Grâce aux propriétaires, on aura de l'argent. Et le peuple, en dernier ressort, sera heureux dans un état bien tenu, bien policier et sous la définition du droit. Ce parti de l'ordre sera écarté par Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 51 par son coup d'État, mais reviendra sous la Troisième République et finira progressivement, après avoir tenté une dernière restauration dans les années 1870, par dire, au fond, la République est un horizon indépassable. Et c'est Thiers, l'homme siècle qui est partout, qui finira par dire les deux phrases qui seront vraiment les maximes des républicains conservateurs. D'abord, la République est le régime qui nous divise le moins, donc allons-y plutôt que continuer à se faire des guerres. Et la deuxième, qui a inventé le mot qu'on a utilisé, il dira « la République sera conservatrice ou ne sera pas ». C'est donc ce grand projet voilà, que tout un tas de droites républicaines va essayer d'investir à partir de ce moment-là, notamment autour de personnes comme Jules Méline. Et c'est ainsi que désormais la République, inconsciemment, peut-être dans son dos et son impensé, sera en permanence le jeu de ces quatre affrontements qu'on retrouve encore aujourd'hui. Bien, un grand, grand merci Thomas pour cet excellent cours. On a énormément de retours là, de gens qui, comme vous disiez, étaient derrière leur écran et qui ont beaucoup apprécié, qui ont trouvé ça extrêmement dense mais passionnant. Mais c'est inévitable, je pense, sur des questions aussi importantes. Ça donne vraiment envie de vous réinviter pour un cours spécifique sur la Révolution, c'est par vrai. Exemple. En tout cas, on a un certain nombre de questions qui, à mon avis, mériteraient à chacune d'elles un cours entier. Pour certaines, en tout cas. Donc, je vais vous les poser peut-être comme elles viennent et puis vous ferez éventuellement une sélection selon ce qui vous semble prioritaire. Alors, on a d'abord plutôt des commentaires sur le début de l'exposé et sur l'idée qu'il faut resignifier l'idée républicaine avec des remarques comme une remarque de Gilbert qui nous dit « La République doit être une révolution permanente pour ne pas perdre le sens du premier jour comme pour l'amour. Et l'amour, la République, c'est l'amour quotidien du peuple. » Voilà, c'est une citation d'un de nos spectateurs. Marjorie nous demande « L'État-providence est-il toujours un modèle de société démocratique? Que pensez-vous des défenseurs de la suppression de l'État-providence ?» On a ensuite un certain, je les prends dans l'ordre, mais on n'est pas obligé de les traiter dans cet ordre-là, un certain Thomas Guénolé qui s'invite pour vous poser une question en rapport avec l'actualité. Les gilets jaunes que j'évoquais dans mon introduction sont-ils les héritiers des sans-culottes? Et j'ai envie de préciser la question en vous demandant, sont-ils anti-républicains en référence à certaines interventions de Benjamin Griveaux, par exemple, qui a pu accuser la France insoumise d'être anti-républicaine parce qu'elle a porté un soutien aux gilets jaunes.
Arnaud nous commente en disant que ce cours est absolument passionnant et il pose la question suivante. Le concept de séparation des pouvoirs, qui peut rappeler les régimes mixtes républicains dont vous parliez, est-il une façon d'organiser les institutions ou plutôt de diviser le peuple au profit d'autres catégories ? On a enfin Nicolas qui pose la question suivante à propos de en faisant le lien avec la pensée anarchiste. Comment l'idée républicaine est-elle appréhendée par la pensée anarchiste ? Elle invoque la République libertaire. Quels en sont les fondements et les significations précises ? Voilà. Et puis moi, j'ai noté dans un coin une question que vous nous avez soufflée, qui serait qui représente aujourd'hui le républicanisme libéral en France ? Voilà. OK. Alors, à Gilbert, bon, bah, magnifique phrase. L'amour quotidien du peuple, c'est très beau. Et j'ai donné une interview il n'y a pas longtemps où j'ai dit cette phrase, la République est une révolution. Donc, quand vous dites que ça doit être une révolution permanente, c'est le cas. Là, ça demande effectivement une grande discussion parce que, bon, évidemment, la révolution permanente renvoie à beaucoup de concepts. Et la grande question que se posent les Jacobins, notamment sous la Troisième République, c'est qu'il faut être capable d'articuler l'idéal et le réel. C'est la fameuse grande phrase de Jaurès. Et ça veut dire qu'il ne faut pas que la révolution permanente apparaisse comme de l'instabilité. Et la grande question que se poseront les gens de la Troisième République, c'est qu'à un moment, il faut faire venir les masses à eux, les masses des petits propriétaires, les gens qui considèrent que la République et la Révolution, c'est la terreur. Là, il faudrait vraiment en parler aussi pendant 2 heures pour expliquer ce que c'est. Mais voilà, en tout cas, monsieur, la question qu'il faut se poser. Révolution permanente, si par exemple, c'est au sens se renouveler, chercher en permanence à répondre au cœur même de la République, qui est le bien commun du peuple, là, oui. Si par contre c'est une révolution en termes d'agitation permanente, je pense que là on arrive à une des grandes questions qui est qu'à un moment le républicanisme doit être aussi un gouvernement. Et voilà. Mais Régis Debray avait une très belle formule. Il fallait passer, dit-il, du républicanisme révolutionnaire au républicanisme de gouvernement. Et moi j'y souscris. Il dit le problème c'est lorsqu'on est passé du républicanisme de gouvernement au républicanisme gestionnaire. Et là, effectivement, on peut considérer qu'il y a un oxymore, révolution et gestion. Voilà, quand c'est quelque chose où simplement on dit, bon, bah, on est en gestion de l'État tel qu'il est et qu'on n'est pas à lutter contre les injustices sociales, je pense que le jacobin ou le républicain à la Debray dirait cette chose-là. Marjorie pose la question de l'État-providence. Alors l'État-providence, ce qui est intéressant, c'est que la formule apparaît la première fois lors de la discussion du 25 mai 1864, qui est une discussion sous le Second Empire avec Émile Ollivier, qui est le rapporteur. Émile Ollivier, ancien républicain, qui va se rallier progressivement au Second Empire en considérant qu'au fond, la politique sociale de Napoléon III, elle est satisfaisante et qu'on peut bien faire fi du cadre du régime qui ne serait pas républicain dès lors que les lois existent. Il faut étudier le fait que, par exemple, Proudhon a beaucoup hésité sur ces choses-là. Ça nous montre que toutes ces périodes sont assez compliquées. Et au fond, l'État-providence, c'est un mot critique. Lorsque l'emploi est utilisé, c'est un mot critique. Donc peut-être qu'on a fait une erreur sémantique de réutiliser cette chose-là. Parce que l'État-providence, c'est une forme de... quand c'est utilisé, c'est une manière de dire, bon, vous attendez tout de l'État. Tandis que, à mon avis, la bonne sémantique qui devait être utilisée, c'est celle de la tradition qui va de la Révolution française aux discussions, notamment sur la question du travail et dans l'Assemblée constituante en août 1848, du droit à. Il y a une proposition, notamment, du droit au travail. Donc, à ce moment-là,
il n'y a plus cette idée que l'État-providence, voilà, c'est l'État vraiment qui ressemble à une vache à lait, qui est souvent critiquée parmi ceux qui veulent voilà, changer cette logique-là. Alors que droit A, bah là, on s'inscrit dans cette tradition qui, normalement, doit faire consensus pour tous les républicains. Nous avons fait la Déclaration des droits de l'homme. Des gens ont droit A. Droit à l'assistance, droit à la santé, droit au travail. Ceci a été notamment matérialisé par le programme du Conseil national de résistance, Les Jours heureux, où il y avait vraiment cette idée. Donc, la chose est là. Je rajouterai une chose aussi pour montrer comme il faut faire parfois un déplacement de sémantique. Il y a une très belle discussion autour d'un juriste qu'on pourrait considérer de la sensibilité républicaine, qui s'appelle Léon Duguit, grand juriste de la Troisième République, qui s'oppose à la fameuse définition très connue de Max Weber, qui nous dit, au fond, qu'est-ce que l'État ? L'État, c'est celui qui a le monopole de la violence légitime. Et en fait, Duguit dit, non, c'est pas ça, en fait, l'État. L'État, et il se fonde sur Rousseau, Duguit, l'État, c'est l'ensemble des libertés des citoyens, des parcelles de souveraineté des citoyens, qui a dans les mains la responsabilité de se vivre ensemble. Et donc, selon Léon Duguit, le propre de l'État, c'est le service public. Ce que doit faire un État, en échange de la confiance de ses concitoyens, en l'échange du contrat social qui l'a fondé, qui l'a formé, ce que doit redonner l'État à cette souveraineté qu'il a désormais dans les mains, c'est le service public. Donc voilà peut-être des mots. J'invite un milliard d'intellectuels et de juristes à répondre à ces choses-là parce qu'ils auraient beaucoup d'autres choses à dire sur la possibilité de laisser de côté le terme d'État-providence et de revenir à des mots comme service public ou droit à. C'est ce qu'on appelle droit à l'existence. Et j'ai d'ailleurs, je connais un jeune doctorant, Hugo Roussel, qui travaille sur ces choses-là. Donc l'université travaille à ces points. Concernant Thomas Guénolé, est-ce que les gilets jaunes sont les ancêtres des sans-culottes ? Et votre question, Manon Le Breton. Bon, tout le monde connaît la phrase « comparaison n'est pas raison ». Tous les historiens de la profession, mes collègues universitaires, historiens ou historiens du droit, ont été questionnés sur quel est le précédent qui ressemble le plus à l'événement des Gilets jaunes. Il y a eu la même chose quand il y a eu Nuit debout. On posait la question, est-ce que c'est la Révolution française ? Est-ce que c'est la Commune de Paris ? Est-ce que c'est mai 68 ? Moi, ma première réponse, j'ai trouvé très intéressant tous les articles qui ont cherché le jeu mimétique. J'adore ça, hein, on se pose souvent la question. Moi, je pense que plus qu'un événement vraiment miroir qu'on pourrait trouver, moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel point les Français sont intéressés par leur histoire, conditionnés par leur histoire. Comme s'il y avait en eux un flottement permanent, une vapeur, une nuée de cette histoire qui demeure et qui conditionne nos caractères. Et donc, moi, ce qui m'intéresse plus que de savoir si vraiment les Gilets jaunes, c'est tel moment historique, c'est à quel point il y a un jeu mimétique, un jeu de chaîne historique où la personne qui est dans la rue se sent lui-même héritier d'une tradition. Alors ça va des manifestations adolescentes où quelqu'un a le béret de Guevara à celui qui a un t-shirt de Sankara. Donc on voit bien que ce passé interagit avec les nouvelles personnes. Et en effet, les gilets jaunes ont une particularité. Il faudra l'étudier scientifiquement. Hein. Donc là, c'est juste des hypothèses. Et peut-être je me contredirai plus tard après avoir fait une observation scientifique. Mais en l'état actuel des choses, je dirais que chez les gilets jaunes, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que normalement, les mouvements sociaux étaient particulièrement caractérisés par la mystique socialiste, révolutionnaire, de gauche. Ce qui était normal. Les codes, les chants, les slogans venaient de l'héritage de la gauche et du socialisme. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est que dans ce mouvement qui s'est revendiqué dès les premiers jours de n'être ni de droite ni de gauche, donc qui répondait en fait à ce mouvement en fait historique où notre président Emmanuel Macron avait lui-même appelé à la disparition de la droite et de la gauche, nous avons donc perdu cette horizontalité qui structurait le politique entre la droite et la gauche, et cette ligne d'horizontalité a basculé dans une verticalité qui est devenue un nid de droite et gauche du haut,
C'est normal, c'est le président qui incarne la verticalité, et un nid de droite et de gauche du bas. Et donc, le bas a été chercher un nouveau référentiel, et ça a été la République. Et donc, moi, j'utilise, par exemple, le concept de Georges Sorel, qui appelle le mythe mobilisateur. Je ne dis pas que tous les gilets jaunes peuvent citer l'ensemble de noms des sans-culottes ou l'ensemble des révolutionnaires français ou alors toutes les dates de la République, mais c'est un fait indéniable qu'il y a des signaux, il y a des signifiants qui renvoient à la République. On a entendu chanter la Marseillaise, plus encore qu'on pouvait imaginer. On a eu un moment une protection de la tombe du soldat inconnu, vraiment montrant voilà, ce besoin patriotique de respect des morts pour la patrie. On a des drapeaux bleu, blanc, rouge. On a même, grâce au street art, des fresques incroyable, reprenant la liberté guidant le peuple de Delacroix, même si ce n'est pas un tableau de la Révolution française, c'est 1830, mais montrant cette chose-là. On a eu une photo saisissante de femmes grimées en Marianne. On a eu des personnes qui vraiment essayaient de nous dessiner, voilà, en ce moment, avec ce beau tableau Liberté, Égalité, d'une Marianne qui avait l'œil ensanglanté. Et donc, vraiment, le logiciel républicain est là. Donc, Manon Le Breton, pour vous répondre, la chose est assez évidente. Il y a une poussée, une force, une sève, un signifiant, conscient ou inconscient, mais je dirais plutôt conscient, puisque les gens portent bien ces drapeaux, républicains. Donc, les gilets jaunes s'inscrivent dans toute une part de cette histoire de la République révolutionnaire. Maintenant, savoir s'ils sont les gilets jaunes ou pas, l'erreur que toute personne ne doit pas commettre, c'est l'essentialisation des gilets jaunes. Qui sont les gilets jaunes ? Si on prend ceux qui défilent, c'est des milliers. Si on prend ceux qui likent, ce sont des millions. Si on prend les sondages quand ils étaient à 70%, c'est quasiment les trois quarts de la population. Donc, il y a quasiment autant de gilets jaunes qu'il y a d'individus. Donc, il faut chasser une essentialisation négative. Tous les gilets jaunes seraient des barbares avinés qui ont envie de tout casser. Il faut aussi chasser l'essentialisation positive avec un culte du peuple qui ferait que tout gilet jaune serait un saint avec des ailes. Ils sont l'expression du peuple français, d'un peuple en colère, d'un peuple qui a eu l'impression que l'histoire s'écrivait sans lui, qu'il était en dehors justement du grand livre, du fait de la technocratie, du fait de ce sentiment que maintenant les choses se jouent chez les lobbies ou du côté de la finance mondialisée. Tout ça, on pourra en discuter avec eux, ont-ils tort, ont-ils raison, mais l'histoire s'écrivant sans eux, la seule possibilité lorsqu'on ne peut plus écrire, c'est la parole. La parole est le cri est la colère. Et au final, alors que je suis évidemment convaincu que chez les Gilets jaunes, il y a des choses extrêmement condamnables, hein, tout acte antisémite, sexiste, homophobe, raciste, arrache les tripes de tout citoyen républicain qui se respecte, il me semble que dans un million de personnes françaises, ces opinions existent là, existant. Je ne sais pas comment les Gilets jaunes pourraient en être complètement hermétiques. J'espère que les Gilets jaunes les chasseront, j'espère que les Gilets jaunes les dénonceront, mais cette chose peut exister. Alors, sans culotte, oui, d'une certaine façon, avec ce caractère un peu éruptif, avec ce caractère qui parfois, effectivement, peut aller jusqu'à la violence, comme dans les journées révolutionnaires, avec ce caractère en fait de gens qui ne sont pas des prolétaires, parce que comme l'a montré Sauboul dans sa thèse, les sans-culottes ne sont pas des prolétaires mais de petits artisans qui travaillent mais qui contestent, comme dit Albert Mathiez, la vie chère. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Il faudrait demander à un homme en thèse de faire ça sur le long cours. Je pense que ce qu'on peut dire surtout des gilets jaunes, c'est que si on doit trouver un dénominateur commun, je dirais ces trois choses-là. Le sentiment que la politique se jouait sans eux, la question de la vie chère et du pouvoir d'achat, et le troisième, c'est une demande de dignité. À nous tous, universitaires, intellectuels, journalistes, politiques, concitoyens, de se lancer le défi d'y répondre. Voilà ce que j'avais à dire sur les gilets jaunes. Sur la question de Arnaud qui dit cours passionnant, ben je remercie beaucoup Arnaud. Et il demande si la séparation des pouvoirs est une logique mixte qui viserait à diviser le peuple. Alors je suis d'accord avec la première partie de la réponse et pas la deuxième. Quelle est la question qui s'est posée très simplement ?
la République jacobine, rousseauiste, qui considère qu'il faut que démocratie et république s'épousent, elle a donné lieu à la période 1792-1794, et donc au gouvernement révolutionnaire, et donc à la terreur. À partir de ce moment-là, ceux qui reprennent en fait les rênes de la République, que ce soit les cinq directeurs autour de Barras, que ce soit des intellectuels comme Benjamin Constant ou Madame de Staël, vont considérer que le peuple ne peut pas se gouverner. Le peuple doit être capable de donner son point de vue, mais ne peut pas se gouverner lui-même. C'est la grande formule de Sieyès qui sera reprise par Napoléon. La confiance vient d'en bas, l'autorité d'en haut. Et vous avez myriades de livres qui vont théoriser ça, même chez Guizot de La démocratie en France, où tout le monde s'accorde à dire qu'on ne peut pas, Tocqueville évidemment, on ne peut plus faire sans la démocratie, on ne peut plus faire sans le peuple, on ne peut plus imaginer que le peuple doit simplement rester hors du processus. Mais par contre, la question de quelle place lui donner, eh ben, on va inventer ce que Bernard Manin a très bien étudié dans son livre des années 90, Principe du gouvernement représentatif. On va essayer, en effet, de faire un régime de tradition, effectivement, de républicanisme libéral, où le peuple aura une place, mais pas toute la place. Où le peuple donnera sa voix, mais par une intermédiation, par des représentants. Donc, c'est sûr que au niveau de la philosophie politique pure, il y a une contestation possible des institutions. Quelqu'un qui veut dire, moi, en tant que jacobin, rousseauiste, je considère que les institutions de la Ve République ne sont pas fidèles, il a le droit. Par contre, le républicain libéral a totalement le droit, à l'inverse, de dire que nos institutions sont républicaines, qu'elles héritent effectivement du gouvernement mixte et que président, assemblée, sénat répondent à cette idée qu'il faut de l'équilibre, il faut des contrepoids. Je rajoute qu'évidemment, cette chose qui a été ressentie par les libéraux comme terrible, qui est la période de la terreur, sera ressentie à nouveau par les libéraux de la Deuxième Guerre mondiale, ou de la post-Deuxième Guerre mondiale, comme terrible vis-à-vis des événements allemands, italiens et aussi français, à considérer que le peuple ayant eu part au processus de la montée du fascisme, il faut être capable de le canaliser. Là aussi, il faudrait tout un cours. On sait très bien qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Le grand Éric Vuillard, dans l'ordre du jour, pris Goncourt, a encore rappelé comme ce sont les grands industriels aussi qui ont aidé à la montée du nazisme au pouvoir et à ses réalisations, que Hitler n'était pas à proprement parler majoritaire en Allemagne. Tout ça est plus compliqué, mais du moins de la part de gens qui ont vécu la guerre, eux, c'est comme ça qu'ils l'ont ressenti. Le peuple peut donner le pire, il faut donc le canaliser. Donc voilà, je n'irai pas jusqu'à dire, donc, Arnaud, qu'il y a un complot contre le peuple. Le peuple a différents moyens de s'exprimer aujourd'hui, à lui de les réinvestir. Pour Nicolas, et je terminerai là-dessus, c'est les deux dernières questions. Nicolas, sur la question de rapport entre l'anarchisme et la République, c'est tout à fait intéressant. Il faudrait des heures pour y répondre. Je donnerai juste une anecdote. C'est que le véritable moment qui va entraîner une déchirure, pour ne pas dire une rupture profonde entre les anarchistes, les libertaires et la République, c'est la Commune de Paris. La Commune de Paris s'enorgueille d'avoir ce grand nom éternel qui est Louise Michel. Et Louise Michel, elle est considérée comme vraiment la figure de l'anarchiste. Or, lorsque j'ai lu ses mémoires, ses souvenirs, on voit que, par exemple, elle parle de Jules Favre, qui est un grand républicain, en disant « notre père à tous ». On voit qu'elle est attachée à Victor Hugo et qu'elle fait partie, en fait, des républicains. Il y a véritablement, même chez la part de certains membres de l'International, des « vive la République ». Mais c'est pour ça que beaucoup de gens sont attachés par la suite à rajouter des adjectifs démocratiques et sociaux. Or, le problème de la Commune de Paris, c'est que tout en étant ce grand moment de résurgence du républicanisme jacobin, mais aussi du républicanisme plébéien, il va être maté dans le sang dans la semaine sanglante du 21 et 28 mai 1871. Par qui ? Par le gouvernement élu et présidé par Thiers. Et donc, on va dire, l'ordre républicain l'a emporté. C'est là que la sensibilité républicaine permet de bien comprendre les choses. Il y a plusieurs républiques. Et comme la République conservatrice l'emporte,
paradoxalement, la République conservatrice va faire rentrer des gens de droite en République qui diront « Oh, après tout, derrière des gens comme Thiers, on a l'ordre, la propriété et la prospérité, donc adhérons à la République ». Mais en rentrant, elle, par contre, elle fait sortir les républicains plébéiens. Et on le sait, des gens comme Gustave le Français, qui était communard, des gens comme Louise Michel, deviendront littéralement anarchistes lors du bagne, lors des punitions, lors des exils, où ils diront, alors si c'est ça la République, si c'est Thiers, si c'est le Parti de l'Ordre, si c'est la Semaine sanglante, si c'est les Versaillais, ne comptez plus sur moi, je ne serai pas républicain. Voilà. Bien. Je vous remercie pour vos questions. Bon, encore un grand merci Thomas Brantôme. Si vous voulez en savoir plus sur toutes ces questions passionnantes d'histoire de la République, je vous invite vraiment à vous plonger dans ce volume. J'ai commencé, moi, et c'est absolument passionnant. On en apprend à chaque page, donc malgré l'épaisseur du bouquin, ça vaut vraiment le coup de se le procurer. Je vous invite pour ma part à nous retrouver lors d'un prochain cours au mois de mars. Alors, j'ai oublié de revérifier de quoi il serait question, mais on vous informera par les réseaux sociaux. Et bien, en tout cas, merci, à bientôt. Merci à l'invitation, pour l'invitation, et merci à tous ceux qui ont suivi ce cours. Bon, et puis à tous ceux qui peuvent, rendez-vous dans les rues pour l'acte 15 des Gilets jaunes dont on parlait à l'instant. À bientôt, merci, au revoir.